Lis pour nous. Read for us. Jérémie chapitre 10. Jeremiah chapter 10. Verset 1 à 5. Reading from verse 1 to 5. Jérémie chapitre 10, verset 1 à 5. Jeremiah chapter 10, reading from verse 1 to 5. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Amen. Notre Dieu, our God, est le créateur du ciel et de la terre. Is the creator of heaven and earth. Il doit être adoré. He must be worshipped. Il doit être obéi. He must be obeyed. Mais les nations, the nations, les peuples, peoples, ont choisi de fabriquer d'autres dieux. They chose to make other gods. Eux-mêmes, they themselves, ils travaillent, they work, et ils fabriquent un dieu. And they make a god. Ils fabriquent quelque chose qu'ils appellent dieu. That is, they make something that they call god. Ils créent des idoles. They create idols. Selon leurs coutumes. According to the traditions. Selon leurs traditions. According to the traditions. L'idolâtrie accouche des coutumes. Begets traditions. Et les coutumes accouchent l'idolâtrie. And the customs also begets idolatry. Quand tu vas au village, when you go to the village, tu veux faire quelque chose au village, and you want to do something in the village, tous les vieillards, all the old men, sortent, get out, pour te rappeler les coutumes, to recall them, their traditions, pour te rappeler leurs coutumes, to recall you, their customs. Et c'est en fonction de leurs coutumes. And it is according to the customs. Qu'ils organisent leur vie. That they organize their life. Qu'ils organisent leur société. That they organize their society. Qu'ils organisent leur culte. That they organize their services. Qu'ils organisent leur adoration. That they organize their services, their worship. Et Dieu dit. And God says. Les coutumes des peuples. The customs of the people. Sont une vanité. Are a vanity. C'est-à-dire, ça n'aboutit à rien. That is, that lead to nothing. Tu peux pratiquer ça toute ta vie. You can practice this all your life long. Rien ne change. Nothing changes. Rien ne change. Nothing changes. On fabrique. We they make. On embellit. They embellish it. Et on adore. And they worship. Et quand Dieu qui est assis sur son trône regarde sur la terre. And when God sitting on his throne look down on earth. Il voit les souffrances. He see the suffering. La misère. Misery. Les souffrances. Suffering. Les souffrances des hommes. The misery of men. Mais l'idolâtrie. But idolatry. Met les gens en contact avec les démons. Put people in contact with demons. Et ça, c'est une vérité qu'il faut retenir. And this is a truth that must be retained. Comme Dieu le révèle dans Jérémie. As God reveals it in Jeremiah, les idoles sont une vanité. Idols are a vanity. Les coutumes, une vanité. Customs, a vanity. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. But the Lord did not stop there. Pour ouvrir les yeux des hommes. In order to open men's eyes. La parole de Dieu va plus loin. The word of God goes further. Pour révéler. To reveal ce qui est en réalité derrière l'idolâtrie. What is behind idolatry in reality? Lis pour nous 1 Corinthiens chapitre 10. Read for us 1 Corinthians chapter 10. Verset 18 à 22. Reading from verse 18 to 22. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel?
Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Amen. Voilà, et cher ami. Dear friend. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. You who have not given your life to Jesus yet. D'abord, si tu es là, si tu es un invité, lève la main. If you have been invited, raise your hand. Ah, voilà. Écoutez très bien ce que je vous dis. Listen carefully what I'm going to tell you. La parole de Dieu dit. The word of God says. Que quand vous entendez coutume, c'est notre coutume là, Dieu n'est pas content. When you hear, this is our tradition. God is not happy. Parce que Dieu a donné sa parole. Because God gave his word. Il veut que les gens lisent sa parole. He wants people to read his word. Et qu'ils organisent leur vie en fonction de sa parole. And organize their life according to his word. Et les gens laissent la parole de Dieu. And people leave the word of God aside. Ils enseignent leurs coutumes. And teach their customs. Et ils sont violents. And they are violent. Ils t'obligent. They compel you. Mais Dieu dit, but God says, les coutumes, the customs qu'on t'impose là, that is imposed to you, sont une vanité. Are a vanity. Et Dieu va plus loin. And God goes further. Il te dit, quand on te dit, va sacrifier. And when he says that, when they tell you, go and sacrifice. Mais on ne te dit pas la vérité. But they don't tell you the truth. Dieu te dit, God tells you, derrière les sacrifices, behind the sacrifices, il y a de la possession démoniaque. There is demonic possession. Quand tu prends, when you take, tu vas à la lagune, you go to the lagoon, tu donnes l'œuf, and you give a chicken or an egg, ou on t'amène devant un arbre, or they take you before a tree, derrière l'arbre. Behind la the tree, vérité, c'est que le diable est derrière, les démons sont derrière. The truth is that the devil is behind, demons are behind that. Relis 1 Corinthiens chapitre 10. Reread 1 Corinthians chapter 10. Et la parole de Dieu dit, and the word of God says, Dieu ne veut pas que vous soyez en communion avec les démons. God doesn't want you to be in fellowship with the demons. Tu ne dois pas sacrifier à la montagne. You must not sacrifice to mountains. Tu ne dois pas sacrifier au cours d'eau. You must not sacrifice to streams. Tu ne dois même pas faire les libations sur la terre. You shall not pour water down on earth. Le plan de Satan, the plan of Satan, c'est que les démons reçoivent ton adoration. Is that the demons receive your worship. Donc tu as déjà adoré Satan sans savoir. So you have already worshipped Satan without knowing it. Les sorciers, witches, qui veillent sur les coutumes, that watch over the customs, t'ont déjà fait adorer Satan. They have already made you worship Satan. Quand vous verrez que les démons vous poursuivent, when you see that demons are pursuing you, vous allez vous étonner. You will be astonished. Que ça, c'est quoi ça? Now, what is this? C'est ce que tu es parti chercher. It is what you went to seek. Quand tu donnes l'argent, when you give money, tu donnes à Satan. You give it to Satan. Tu lui dis, Satan, possède-moi. Voici l'argent. You tell Satan, possess me. This is money. Satan, possède-moi. Voici l'argent. Satan, possess me. Here is money. Et tu donnes l'argent à Satan. And you give money. Et quand tu as les problèmes, and when you have troubles, tu te demandes, you wonder, ça vient d'où, ça vient d'où, where is it coming from? Read. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Écoutez. Que dis-je donc? Tu attends d'abord. Wait. Dans la Bible, in the Bible, Dieu avait demandé qu'on offre des sacrifices. God asked that they offer sacrifices. La parole de Dieu dit ici, the word of God says here, que quand les enfants d'Israël offraient les sacrifices, when the children of Israel were offering sacrifices, ils étaient en communion avec Dieu. They were in fellowship with God. Il y a une communication spirituelle entre toi et l'autel où tu sacrifies.
There is a spiritual communication between you and the altar where you make the you offer sacrifices. Si c'est Dieu qui est derrière, if it is God that is behind, tu es en relation directe avec Dieu. You are in direct connection with God. Si c'est le Python, if it is Python, tu es en relation directe avec le Python. You are in a direct connection with the Python. Tu diras que tu ne l'as pas appelé, mais tu es parti le chercher. You said that you didn't call him, but you went to seek him. Il y a une communion. There is a fellowship entre toi between you et les morts, les esprits de mort. And the spirit of the dead. Mais là, quand ils veulent te prendre, tu refuses. Now, when they want to come to take you, you refuse. Quand tu les as déjà appelés, when you have already called them, ils viennent dans tes rêves, they come in your dreams. Tu commences à trembler. You start shaking, trembling. Toi qui es parti les chercher. But you are the one who went to seek it. Certains habitent dans vos maisons. Some live in your houses. On dit que les maisons sont hantées. They say that there are demons in the house. Pourquoi? Why? Vous avez adoré. Because you worshipped. Et quand tu adores, when you worship, il y a une communion. There is a fellowship. Il y a une relation intime. That is an intimate relation. Quand tu vas mourir, when you die, c'est eux qui vont t'accueillir. They are the one who will welcome you. Tu n'iras pas au ciel. You will not go to heaven. Tu vas aller là où tu versais tes sacrifices. You will go where you used to offer sacrifices. C'est là-bas que tu vas aller. That's where you will go. Lis la suite. Read the rest. Verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Écoute, la parole de Dieu dit, the word of God says, en réalité, un arbre où tu t'en vas déposer un poulet, l'arbre là n'est rien. Actually, a tree where you go and offer a chicken is nothing. Le bois n'est rien. The wood is nothing. Ça, c'est une vérité. This is the truth. Qu'est-ce qu'un python? Tu what coupes is the la tête, si tu manges les serpents, tu prépares, tu manges. You kill snakes, you cook and eat. Les oiseaux. And ceux qui adorent les oiseaux. Birds, those who worship birds. Un autre, si la faim, il tue, il prépare, il mange. Some, when they are hungry, they kill, cook and eat. Si c'est la tortue. If it is tortoise. Tortue l'adore. You worship it. Un autre tue, il prépare, il mange. Another one kills it and cook and eat. Donc, en réalité, so actually, l'idole n'est rien du tout. The idol is nothing at ce all. N'est qu'un morceau, ce n'est qu'un objet. It is just an object. Même quand ce serait un individu, even if it is an individual, il n'est pas Dieu. He is not God. Ce n'est qu'un être humain. He's just a human being. Un petit sorcier. A little sorcerer. Mais qu'est-ce qui est problème, lui? But what is the trouble, the problem? Verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Alléluia, alléluia. La vérité, the truth, c'est que ce qu'on sacrifie, is that what you sacrifice, on sacrifie à des démons. You sacrifice to the demons. Ce que tu as sacrifié, what you have sacrificed, tu as adoré les démons. You have worshipped the demons. Tu as adoré les démons. You have worshipped the demons. Tu es un adorateur des démons. You are a worshipper si of demons. Tu meurs, if you die, tu iras en enfer. You go to la hell. La colère de Dieu est sur toi. And the wrath of God will be upon you. La colère de Dieu est sur toi. The anger et la of God colère de Dieu upon sur tes œuvres. The anger of God ce is que upon tu as donné, what God tu gave, n'as pas donné à Dieu. You, tu as donné aux démons. You worship the demon. Et tu seras jugé. And you'll be judged. Comme quelqu'un qui a adoré les démons. Who worship the demon. Quand à la fin du monde, at the end of the Jésus world, va dire, Jesus adorateur said, des démons, the worshippers of demons, retirez-vous de moi. Get away tu from diras, me. Je n'ai jamais adoré un démon. You said, no, I'm not, I didn't l'arbre, adore. L'arbre. The tree. Où tu t'es prosterné. Where you prostrated. C'était le démon. It was the demon. Le vrai, l'esprit qui était derrière. The spirit that was behind. C'est l'esprit des démons. It was the spirit of a demon. Et tu adorais les démons. You worship the demon. Jésus veut que tu changes ce soir. Jesus wants you to change. Jésus veut this que afternoon. Tu changes. He wants you to change. Et à cause de ses coutumes. And because of those customs. Tu pratiques le mensonge. You practice lies. Même tes parents t'encouragent. And your parents encourage you. La coutume des nations. This is the custom of the nation. Tu as un petit enfant prostitué, tu es content. You have a little child prostitute and tu you dis, you are cherche-moi l'argent. You are happy. You say seek money tu for as me. Déjà l'âge, cherche l'argent. You are of age. Cherche les hommes. Seek men. J'avais une camarade au lycée. I had a friend in high school. Elle était très pauvre. She was very poor. Sa mère était pauvre. Her mother was poor. Sa mère fabriquait le kutuku. Her mother used dit, to make l'alcool, kutuku, that is alcohol. Elle vivait de ça.
And she was living out of quand it. J'ai donné ma vie à Jésus, when I gave my life to Jesus, j'étais heureux. I was happy. J'ai commencé à prêcher l'évangile. I started to preach the gospel. J'ai prêché à cette fille. I preached that lady. Elle a cru. And she believed. Elle est revenue le lendemain. She came back the next day. Elle me dit, ma mère refuse. And she said that my mother refuses. Je lui ai dit, quoi? I told her, what? J'étais étonné. I was astonished. Je crois que cette pauvre femme allait se réjouir. I thought that poor lady would rejoice. Que sa pauvre fille est en sécurité en Jésus. That her poor daughter is in security within the hand of Jesus. Je lui ai dit, faut que je voie ta mère. I told her I must see your mother. Je suis allé voir sa mère. I went to see her mother. J'ai dit, maman, I said, mommy, Jésus que tu vois, Jesus you il see, libère, il délivre. He delivers quand une jeune fille est en lui, when a young lady elle is ne in se prostitue plus. She does not prostitute herself elle, anymore. Elle peut aller à l'école. She can go to school. Je croyais que je faisais du bien. I thought I was doing quand j'ai fini, when I finished, elle dit, pas question. She said, no way. Si sa fille if her daughter ne doit pas chercher les hommes, must not seek parce men. Qu'elle est glissa. Ça, c'est quelle religion? What religion is que sa fille doit chercher les hommes. So her daughter must seek men. J'étais choqué. I was shocked. J'étais sûr. I was sure. Que si j'expliquais à cette maman. That if I explained that to that mommy. Quand on est en Christ. That when we are in Christ. On ne court plus le risque d'attraper une grossesse, d'attraper les maladies parce qu'on est en sécurité. We never run the risk of being pregnant or having a sickness because elle we are in security. Elle a refusé catégoriquement. She refused. Pourquoi? Why? Les coutumes des nations. The traditions of nations. Sont vanité. Which is a vanity. La femme doit se vendre et vivre. Woman, the woman must sell her body y a and y a live. Que c'est le cacaoyer, c'est le cacaoyer. Some said it is the cocoa tree, cocoa plantation. Vous voyez? Vous voyez les coutumes? You see the customs. Si un jeune homme dit à quelqu'un, if a young boy tells someone, je n'ai pas de copine. I don't have a girlfriend, on va dire, mais c'est lui-là. They say, il a this problème, man, il a problème. He has a trouble. Un garçon, a boy, qui n'a pas de copine, who has no girlfriend. Ce n'est pas possible. This is not possible. C'est ça les coutumes des, c'est ça les coutumes des peuples. This is the customs of the people. Mais en Jésus-Christ, but in Jesus, une jeune fille, a young lady, doit rester chaste, must réservée, must remain chaste. Elle doit attendre son mari. She must wait for her husband. On ne doit pas essayer une femme. We must not try a woman. On t'a essayé. Tu as vu les conséquences. Au début, c'était un. Après, c'était deux. Après, trois, quatre. Maintenant, tu as honte de toi-même. You have been tried, and now you see the consequences. In the beginning, it was one, two, three. Now, you are ashamed of yourself. Certains ont déjà des maladies chroniques. Some already have chronic diseases. Il faudra la grâce de Dieu ce soir pour les guérir. They only need the favor of God this afternoon to be healed. Dans les desseins de Dieu. In the purposes of God. Un homme doit rencontrer une femme. A man must meet a woman. Dis, amène-moi chez tes parents. Say, take me to your parents. Et dis aux parents. And he tell the parents. Je la prends. I take her. Pour épouse. As a spouse. Tout de suite. Il paye les dots. He pays les cadeaux. The bride price. La famille bénit la fille. And the family blesses the lady. Et puis on te la donne. And they give her to you. Si tu ne fais pas ça, if you don't do this, les hommes vont t'utiliser. Men will use you. Tu laves les habits, tu piles le foutu. You wash. Tu prépares zéro. You wash. You make it the washing up c'est and cadeau, you cook. Cadeau. And this is for nothing. Tu essaies d'être gentil pour qu'il soit pressé. Zéro. Quand tu es même plus gentil, là, il se fâche même. You try to be kind so that he could hurry to marry you, but even when you are kind, he is not happy. Sans oublier que tous les maris de nuit que tu as ramené des adorations sont là. Without forgetting that all the spiritual husband that you brought from your worshiping, tu ne peux pas dormir en paix. You cannot sleep in peace. Tu ne peux pas dormir en paix. You cannot sleep in peace. Une femme m'a dit. A woman told me que les maris de nuit. That the spiritual même husbands, dans, pendant la journée, even during the daytime, et elle me dit, je ne peux même pas me coucher même sur le divan pendant la journée. I cannot even sleep on the sofa during the daytime. Elle me dit, je suis dans un foyer. She told me that I am in a household. Deux femmes ont déjà fui ce foyer. Two women have already fled from that household. Pas d'enfant. Without no child. La première est venue. The first came. Plusieurs années sans enfant, elle a fui. Many years without children, she fled. Là où elle est partie, elle a eu un enfant là-bas. Where she went,
She got a child there. La deuxième est venue. The second one came. Après deux ans. After 2 years. Sans enfant. Without children. Elle a fui. She fled. Elle est partie. She went. Après, elle a vu un enfant là-bas. And she got some children there. Elle dit que je suis la troisième. I am the third. J'ai déjà fait 8 ans. I've already spent 8 years. Je lui ai donné Jésus de Nazareth. I gave her Jesus of Nazareth. Je lui ai donné la vie à Jésus. I said, give your life to Nous Jesus. Allons te délivrer. It will deliver you. Elle a donné la vie à Jésus. She gave her life to Jesus. On l'a délivrée en février. We delivered her. En juin, elle était enceinte. And in July, she was pregnant. Acclamation à Jésus-Christ. Ovation to Jesus. Acclamation à Jésus-Christ. Ovation to Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et quand tu vas donner ta vie à Jésus, when you give your life to Jesus, tu vas te joindre à nous. You will join yourself to us. Et nous allons prier. And we pray que ces bénédictions descendent sur nous. That those blessings come down upon you. Mais il faut que tu donnes d'abord la vie à Jésus. But you must first give your life to Jesus. Lis pour nous. Read for us. Tu as fini de lire le verset? Oui, lis. Yes. Complete it. 20b. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Oui, j'ai déjà expliqué ça. Verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Écoutez maintenant ce qui vient. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Écoute, qui a la réponse? Who has the relis encore. Read it again. Verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Attendez. Listen. Qui est invité parmi vous? Who has been invited here? Tu es invité. Are you an invitee? Tu peux répondre à la question qu'il a posée. Can you answer the question he asked? La parole de Dieu demande. The word of God asks. Vous voulez provoquer sa colère? Do you want to provoke his anger? Est-ce que c'est nécessaire? Is it necessary? Tu peux provoquer la jalousie de Dieu étant sorti. Can you provoke the jealousy of God and get out of there? Quand tu te procèdes devant la lagune, quand tu donnes l'argent à un marabout, when you kneel before the lagoon and give money to a soothsayer, tu lui dis consulte-moi. You say consult me. Tu veux que Dieu soit se mettre en colère? C'est ça que la Bible dit. Do you want God to be angry? That's what the Bible is saying. Vous voulez provoquer sa jalousie. You want to provoke his jealousy? Et pour vous dire la vérité, to tell you the truth, vous avez déjà provoqué sa jalousie. You have already provoked his jealousy. Vous êtes déjà coupable. You have already provoked his jealousy. Si tu as fait ces choses-là, if you have done these things, tu as provoqué la jalousie de Dieu. You have therefore provoked the jealousy of God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Devant toi, before you, il y a un seul chemin. There is only one way. La repentance. Repentance. C'est la repentance qui peut vous sauver. It's repentance that can save you. Quand tu as déjà raté, when you have already failed, quand tu as déjà péché contre Dieu, when you have already sinned against God, ce qui te reste à faire, the only one thing that remains for you to be done, c'est lui demander pardon. Is to ask him to forgive you. Et il va pardonner. And he will forgive you. Il a dit, he said, qu'il faut qu'on prêche la repentance. That repentance should be preached. Et le pardon des péchés. And the forgiveness of sins. Dieu veut que la repentance soit prêchée. God wants that repentance be preached. Et que le pardon des péchés soit prêché. And that forgiveness of sin be preached. Parce qu'il veut sauver ceux qui se sont égarés. Because he wants to save those who have been led astray. Lis pour nous Ephésiens chapitre 2 verset 1. Read for us Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. Ephesians 2, verset 1 et 2. Ephesians 2, reading from verse 1 to 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Reprends. Take it again. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Écoute, quand tu vis dans le péché, when you live in sin, tu es mort devant Dieu, tu es un cadavre.
Before God, you are dead. You are a carcass. C'est pour cette raison que Jésus enseignait que quand quelqu'un donne la vie, il passe de la mort à la vie. That's why Jesus taught that when someone gives his life to Jesus, he goes from death to life. Continue. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. La parole de Dieu dit que quand tu vis dans le péché, the word of God says that when you live in sin, tu marches selon l'esprit du diable, le prince de la puissance de l'air, là, you walk le diable. According to the spirit of the devil, the prince of the power of the air is the devil. On devrait marcher comme qui? According to whom should we walk? Comme qui a dit Jésus là? Ça c'est nous. Tu connais la Bible. Who said Jesus? It's good. You know the Bible. La Bible dit que Jésus-Christ a souffert pour nous. The Bible says that Jesus suffered for us. Et nous a laissé son exemple. And gave us an example. Afin que nous suivions ses traces. So that we could walk in his track. On ne devrait pas marcher selon le prince de la puissance de l'air. We should not walk according to the prince of the power of the air. On doit marcher selon l'esprit de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. We must walk according to the spirit of Jesus, who is the Holy Spirit. Relis le verset 2. Reread the verse. Commence même au verset 1. Continue jusqu'au verset 3. Continue up to verse 3. Éphésiens chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, écoutez la suite. Nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Nous accomplissions. Là, dans ce lieu, il y a deux catégories de personnes. So in here, there are two groups of people. Il y a des gens, there are people qui sont déjà sortis des ténèbres, who have already come out of darkness. L'apôtre Paul dit, Apostle Paul says, nous aussi nous étions comme vous. We too were like you. Et qu'est-ce qui nous caractérisait? And what used to characterize us? C'est que quand nous étions comme vous, is that when we were like you, nous marchions selon nos pensées. We used to walk according to our thoughts. Selon nos désirs. According to our desires. Tu veux boire, tu bois. You want to drink, you drink. Tu veux lutter, tu te déshabilles, tu commences à frapper ton frère. You feel like fighting and you put off your clothes and start beating your brother. Tu vois une femme qui passe, tu dis, hey, you see a woman, tu ne sais même pas où elle va. You whisper. Ton cœur te dit, appelle-la. Somebody says, your heart tells you, call her. Une jeune fille, a young lady, qui rencontre quelqu'un pour la première fois, who meets someone for the first time. Et puis elle s'arrête. And she stops. Comme si c'était son nom. As if it was her name. Donne-moi ton numéro. Give me your number. Et puis elle donne le numéro. And she gives her number. Accomplissant les volontés de nos pensées. Fulfilling the wills of our thoughts. Accomplissant les volontés de la chair. Fulfilling the wills of our flesh. Nous sommes allés à Daloa. We went to Daloa. Un jeune homme nous dit, a young boy told us, qu'il pouvait se masturber 7 fois en une journée. That he could masturbate himself 7 times in a day. Ce n'est pas le nombre de fois qui compte. It's not the number of times c'est that pour voir jusqu'à matters. Quel degré l'esclavage peut aller. It's just to let you know
At which level, to which level slavery can take Mais you. Jésus veut te sauver. But Jesus can save you. Mais Jésus veut te sauver. But Jesus wants to save Il you. A dit dans sa parole, he said in his word, Venez à moi. Come to me. Venez à moi. Come to me. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, you who labor, je vous donnerai le repos. I shall give you rest. Jésus dit dans sa parole, Jesus said in his Venez word, à moi. Come to me. Venez à moi. Come to me. Vous tous All of qui you êtes fatigués et chargés, who labor, je vous assure, I tell you the truth. Si tu es un invité, if you are an invitee, si tu acceptes Jésus aujourd'hui, if you accept Jesus today, si tu n'as pas de témoignage, if you have no testimony, rentre là où tu étais. Go back where you are. Va adorer les idoles. Go and worship idols. Il dit si le Fils vous a franchi, he says if the Son sets you free, you will truly be free. Toutes les prostituées qui sont là vont d'abord expérimenter qu'elles maîtrisent leur corps. All the prostitutes that are here will first experience that they have a control over the body. Une femme m'a demandé. A woman asked me. Pourquoi la voix qui me dit fais est-elle plus forte que moi? Why the voice that tells me do it is stronger than me? Je lui ai dit quand tu vas donner la vie à Jésus. I told her when you give your life to Jesus. La voix qui dit ne fais pas sera plus forte. And the voice that will tell you don't do will be stronger. C'est ça qu'on appelle la délivrance. That's what we call deliverance. C'est ça qu'on appelle la délivrance. That's what we call deliverance. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. The Bible said that God so loved Il a the world donné son fils that unique, he gave his son afin que quiconque croit en lui ne périsse point. So that whoever believes in him shall not perish. Dieu t'aime. God loves que you. Personne ne te séduise. Let no one deceive you. Je sais. I know. Que parfois, that sometimes, quand tu t'examines, when you examine yourself, tu as pitié de toi-même, you pity yourself, et tu peux même te haïr, and you can even hate yourself. Certains s'en vont même jusqu'à se suicider. Some even go up to commit suicide parce qu'ils sont découragés, because they are discouraged. Ils réalisent qu'ils ne sont rien sur la terre. They realize that they are nothing on earth. Il y a les envoûtements, les problèmes, le dérèglement, le péché, tout ça. Ils veulent en finir en même temps avec la vie. They see that they are bewitched and sin and many troubles and they want to finish with life. Ne te suicide pas. Do not commit suicide. Viens à Jésus. Come to Jesus. Il te donne He gives you la possibilité the possibility d'être refait. To be made anew. Car il est écrit. Because, for si quelqu'un est en Christ, if someone is in il Christ, est une nouvelle création. He's a new creature. Les choses anciennes sont passées. Behold, all things have Voici passed toutes away. Choses sont devenues nouvelles. Behold, all things have become new. Et Jésus disait, and Jesus said, Je suis le chemin, I am the way, la vérité, the truth, et la vie. And the life. Nul ne vient au Père que par moi. No one can come to the Father except Jésus, by me. Jésus disait, Jesus said, Si vous ne croyez pas ce que je suis, if you don't believe what I am, vous mourrez dans vos péchés. You will die in your sins. Jésus, Jesus, il est le pain de vie. He is the bread of life. Il est le chemin. He is the way. Il est la lumière. He is the light. Si tu lui donnes ta vie, if you give him your life, il va te pardonner. He will forgive you. Il va te restaurer. He will restore you. La restauration, c'est comme une voiture qui va dans, qui est accidentée, cassée, et on la met dans un garage pour qu'on retape. Restoration is like a car that have gone through an accident and you put it into a garage so that it can be repaired. On met un nouveau moteur. They put a new engine. On change des pièces. They change the pieces. C'est là où ta guérison va venir. That's where your healing Quand will Jésus come. Va commencer à fixer les organes que le péché a endommagés. And Jesus will start fixing the organs that have been damaged by sin. Il y aura une nouvelle peinture. And there will be a new Et le paint. Le véhicule va briller. And the car will shine. Il dit dans Ézéchiel, he said in Ezekiel, je vous donnerai un cœur nouveau. I shall give you a new heart. Tu ne seras plus méchant comme tu es aujourd'hui. You'll no more be wicked as today. Et il poursuit, il dit, and he go on saying, je mettrai en vous un esprit nouveau. I shall put a new spirit in you. Tu seras léger. You will be light. Tu seras dynamique, percutant. You'll be dynamic. Un autre esprit va t'habiter. Another spirit will indwell you. Certains étaient même déjà une fois en Christ, ils sont tombés, malheureusement. Some were once in Christ and unfortunately they have fallen down. Jésus te dit à toi particulièrement. Jesus tell you particularly. Ça ne va plus arriver. This will no more happen. Il dit tu ne m'avais pas reçu. You did not receive tu me. Tu avais entendu parler de moi. You just heard talking about me. Il dit maintenant. But now. Je t'appelle. I'm calling you. Je vais te transformer. I want to transform you. Je vais te transformer. I want to transform you. N'hésite pas. Do not hesitate. Viens.
come et embrasse Jésus-Christ. And embrace Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous is there someone among in qui veut donner la vie à Jésus? Would like to give his life to Jesus. Raise your hand. J'ai besoin de vous ici. I need you here. Venez. Come. Venez rapidement. Come speedily. Venez, venez. Come, come. Oh, si tu as besoin de Jésus-Christ. Oh, if you need Jesus. Si tu réalises. If you realize. Que Jésus-Christ n'est pas dans ta vie. That Jesus Christ is not in your life. Lève-toi. Rise up. Et viens devant ici. And come in the front here. Lève-toi. Rise up. Et viens devant ici. And come in the front. Si tu réalises. If you realize. Que tu es sous la menace de la colère de Dieu. That you are under the threat of the wrath si of God. Si tu réalises. If you realize. Que tu es sous la menace. That you are under the threat de la colère de Dieu. Of the wrath of God. Lève-toi maintenant. Rise up immediately. Viens. Come. Et donne ta vie à Jésus. And give your life to Jesus. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Jésus est capable. Jesus is able. De te pardonner. To forgive you. De te sauver. To save you. Jésus est capable. Jesus is able. De te pardonner. To forgive you. De te pardonner. To forgive you. De te délivrer. To deliver you. Jésus est capable. Jesus is able. De changer ton histoire. To change your story. Jésus est capable. Jesus is able. De changer ta destinée. To change your destiny. Jésus est capable Jesus is able d'arracher tout ce qu'on t'a volé. To take away, take back all that have been stolen from Jésus you. Jésus est capable Jesus is able de guérir to heal toutes les maladies all the sicknesses qui sont venues à cause du péché. That came because of sin. Qui sont les conséquences? Which are the consequences? Les conséquences the consequences de tes abominations. Of your abominations. Avant l'enfer. Before. Avant l'enfer. Before hell. Il y a des conséquences qui sont déjà là. There are consequences that Jésus are already va te pardonner. Here. Jesus will forgive et you. Jésus va enlever les conséquences. And he will remove the consequences. Jésus va te pardonner. He will forgive you. Jésus va enlever les conséquences. And remove the consequences. Jésus va te pardonner. Jesus will forgive you. Et il va enlever les conséquences. And remove the consequences. Jésus va te pardonner. Jesus will forgive Jésus you. Va te pardonner. He will forgive you. Et il va enlever les conséquences. He will forgive you and remove the Mais consequences. Tu dois décider. Tu dois décider. But you must decide. Que tu abandonnes les coutumes. And to abandon customs et les traditions. And traditions. Tout ce qui t'a mené dans le péché. All that took you into sin. Tu arrêtes. You stop. Et tu commences une vie nouvelle. And you start a new life. Tu arrêtes. You stop. Tu abandonnes. You abandon. Et tu commences une vie nouvelle. And you start a new life. Tu arrêtes. You stop. Tu abandonnes. You forsake. Pour commencer une vie nouvelle. To start a new life. Pour commencer une vie nouvelle. To start a new life. Pour commencer une vie nouvelle. To start a new life. En étroite relation avec Jésus-Christ. In a narrow relation with Jesus. Communion avec Jésus. In a narrow fellowship with la Jesus. Parole de Dieu dit, the word of God says, tous ceux qui l'ont reçu, all those who have received tous ceux qui croient en son nom, all those who believe Jésus in leur donne le pouvoir Jesus give them the de power devenir enfants de Dieu. To become children of God. Jésus te donne Jesus gives you le pouvoir aujourd'hui to power today pour devenir enfant de Dieu. To become a son of God. Et il te bénit. And he delivers il te you. Bénit. He delivers you. Il te bénit. He delivers il te you. Il te bénit. Il te bénit. Il te bénit. Ora baka sharga baka laka shawa. Ora baka shurga baka. Oui, venez, venez, venez. Yes, come, come, come. La gloire de Dieu se manifeste. The glory of God is manifest. Pour ta délivrance, pour ta délivrance. It's for your deliverance. S'il te plaît. Please. Si tu es là pour la première fois. If you are here for the first time. Si tu es là pour la première fois. If you are here for the first time. Ne rate pas cette occasion. Do not miss this opportunity. C'est une grande bénédiction. It's a great blessing. C'est une grande bénédiction. It's a great blessing. Si tu es là pour la première fois, if you are here for the first time, n'attends pas d'autres preuves. Do not wait for other evidences. N'attends pas un autre message. Do not wait for other another message. N'attends pas une autre exhortation. Do not listen. Wait for another exhortation. Saisis la grâce de Dieu. Lay hold of the grace of God. Saisis la grâce de Dieu. Lay hold of the grace of God. Saisis la grâce de Dieu. Take hold of the grace of God. Saisis la grâce de Dieu. Lay hold of the grace of God. Si tu es là pour la première fois, if you are here for the first time, oh, saisis la grâce de Dieu. Lay hold of the grace of God. Saisis la grâce de Dieu. Lay hold of the grace of God. Saisis la grâce de Dieu. Lay hold of the grace of God. N'attends pas une exhortation. Do not wait for another exhortation. N'attends pas un encouragement spécial. Do not wait for a special. Lève-toi. Rise up. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Lève-toi. Rise up. Restaure ta foi. Restore your faith. En Jésus le vrai Seigneur. In Jesus the Prince of Peace. Lève-toi. Rise up. Restaure ta foi. Restore your faith. 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 Jésus disait. Jesus said. Qu'il n'est pas venu pour les bons. He did not come for the poor. Il est venu pour les pécheurs. He came for the sinners. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Nous détruisons. We destroy. Toute influence de Satan sur toi. Any influence of Satan. Tout ce qui t'empêche.
or whatever hinders you, de te lever, to rise up. Nous cassons les chaînes. We break the chains. Nous ouvrons la porte devant toi. We open the gates before you. Laissez-la. Leave her. Jésus travaille dans sa vie. Jesus is working in her life. Qui d'autre veut donner sa vie à Jésus? Who else would like to give his life to Jesus? Lève-toi et viens. Rise up and come. 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 Il faut être fou pour refuser Jésus. You must be fool, crazy to refuse Jesus. Je ne crois pas que tu fais partie des fous. I don't think you believe you are. Je ne souhaite pas que tu fasses partie des fous. I don't wish you to be among the mad men. Qui d'autre va venir? Who else wants to come? Rapidement. Speedily. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui était en Christ qui a rétrogradé qui veut revenir? Is there someone in your midst rapidement, où who was in Christ and has backslided and would like to come? Lève la main. Raise your hand. Je vais vous dire une chose. I would like to tell you something. Ceux qui vont refuser Jésus. Those who will refuse si tu sais Jesus, vraiment que tu ne veux pas de Jésus, if you really know that you don't want Jesus, il faut que tu peux rentrer. You can go back. Parce que quand nous allons commencer les prières, because when we start praying, nous allons parler à Dieu comme étant notre maître. We will speak to God as our master. Donc tu ne pourras plus parler. You will not be able to speak parce anymore. Parce que tu l'as rejeté. Because you have rejected him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous sommes allés en France un jour. We went to France once. Quelqu'un est venu s'asseoir, il a croisé son pied. Somebody came to sit down and folded his feet. Nous avons prêché l'évangile de Jésus. Preach the gospel of Jesus. Il était assis. He was sitting. Le pied croisé. We folded feet. Avec l'air de noble. With the appearance of noble people. Et nous avons lancé l'appel. And we launched the call. Les gens ont donné leur vie à Jésus. People gave their life to Jesus. Il est resté le pied croisé. He remained there with folded feet. Et nous avons commencé la prière maintenant. And we started the prayer. Nous avons prié comme les enfants de Dieu. We prayed as the children of God. Après j'ai demandé qui pense qu'il s'est trompé en restant assis. After I asked who thought he made a mistake by remaining sitting. He raised his hand. Il dit, viens vite, vite. I said, come quickly. Il s'est levé, il a couru. He rose up and ran. Parce qu'il avait vu la puissance des prières. Because he saw the power of prayer. Il a compris qu'il était en train de s'abuser. He understood that he was joking. Ça peut arriver. It can happen to you. Quand on va commencer, tu vas regretter. When we start, au niveau humain même, you regret at the human level. Tu vas regretter. You regret en réalisant que tu t'es exclu. By realizing that you excluded yourself. Inutilement. Uselessly. If somebody has to come, let him come now. Je vais maintenant arrêter. I'm now going to stop. Je vais arrêter. I'm going to stop. Parce que nous devons les conduire à la repentance. Because we must lead them to repentance. Nous devons prier. We must pray. Donc, il ne faut pas perdre le temps. So don't waste time. Oui, viens. Yes, come. Do not hesitate. Tu pourras te demander pourquoi le pasteur dit-il que si je ne donne pas ma vie à Jésus, je suis exclu. You may wonder why the pastor said that if I don't give my life to Jesus, I'm excluded. Écoutez, la Bible dit, listen, the Bible says, si quelqu'un refuse d'écouter la loi, if someone refuses to listen to the law, sa prière est une abomination. His prayer is an abomination. Si quelqu'un refuse Jésus, if someone refuses Jesus, invoquer Jésus devient prononcer le nom de Jésus en vain. Calling upon Jesus is proclaiming you pronouncing the name of Jesus in vain. C'est pour cette raison que Jésus a dit, that's why Jesus said, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Why do you call me Lord, Lord? Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. And you do not know what you do not do what I say. Donner la vie à Jésus, giving the life to Jesus, c'est s'engager, is get committed, de marcher comme Jésus veut, to walk as Jesus wants.
Si bien que quand tu dis je ne veux pas marcher comme Jésus veut. So that when you say I don't want to walk as Jesus wants. Tu t'es déjà exclu de sa bénédiction. You have already excluded yourself from his blessing. Let no one deceive you. Ici là. Here. On ne demande pas ton argent. We don't ask your money. C'est Dieu qui te demande ton cœur. It is God who is asking your heart. Il a dit donne-moi ton cœur mon fils, donne-moi ton cœur. He said my son, give me your heart. Dieu veut le cœur. Jesus wants the heart. Et dans Apocalypse, Jésus dit, and in Revelation, Jesus je says, à la porte et je frappe. I am at the door and I'm knocking. Si quelqu'un entend ma voix, if someone hears my voice ouvre la porte, and open the door, j'entrerai chez lui. I shall get, je souperai avec lui, I shall enter et lui avec moi. Him and dine with him and he with me. Qui doit venir? Who shall come? Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Je veux prier pour toi. I will pray for you. Satan, va-t'en vite. Satan, get away speedily. Je détruis ton emprise. I destroy your hold. Sur tout homme, d'homme ou femme. Over any soul. Va-t'en vite, 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 vite. Depart speedily, speedily. Maintenant, lève-toi et viens. Now, rise up and come. Il y a quelqu'un qui a été délivré par cette prière. Quel se lève, qu'il vient. Someone has been delivered by this prayer. Let that person rise up and come. Où est cette personne? Where is that person? N'aie pas honte. Do not be ashamed. N'aie pas peur. Do not be afraid. Si ton cœur bat, c'est que c'est toi. If your heart is beating, then you are the one that is concerned. Même si vous êtes venu à deux. Even if you came, two of you. Et tu ne sais pas ce que l'autre va penser de toi. And you don't even know what the other will think about you. Oublie-le pour le moment. Forget him for the time being. Lève-toi et viens. Rise up and come. Parce que Jésus t'appelle. Because Jesus is calling you. Rapidement, rapidement. Speedily, speedily. Acclamez plus fort. Clap. Satan. Satan. Va-t'en, retire-toi. Depart, get away. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Satan. Satan. Va-t'en, vite, vite. Depart, speedily, speedily. Tu n'as créé aucun homme. You created no man. Va-t'en. Depart. Je brise ton emprise. I break your influence. Satan, Jésus t'a vaincu à la croix. Satan, Jesus overcame you on the cross. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé, Jesus said, when I am lifted up, je tirerai tous les hommes à moi. I shall draw all men to me. Satan, all men belong va-t'en, to you. Va-t'en, vite, vite. Depart, speedily, speedily. Arrête tes œuvres. Stop your works. Et toi, pécheur, lève-toi et viens. And you, sinner, rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Le Seigneur t'attend les bras ouverts. The Lord is waiting for you with open hands. Oui. Prenez-la, allez délivrer. Yes. Take her, and go and deliver her. Jésus travaille. Jesus is working. Jésus n'a pas changé. He has not changed. Tous ces démons qui bloquent vos vies vont partir. All these demons that block your lives so will depart. Si tu refuses Jésus, if you refuse Jesus, tu vas regretter. You will regret. Quand tu vas le chercher, because when you seek him, il ne va plus se laisser. He will never reveal himself to you. Parce qu'il peut endurcir ton cœur. Il peut dire comme tu veux pécher. Because it can harden your heart. It can tell you, as you want to sin, go and sin.
Disons merci Jésus, oh Jésus, tu délivres les captifs. Let us give thanks to Jesus, he delivers captives. Satan, va-t'en! Satan, vite, get vite, away, depart, speedily, speedily. Et pécheur, sinner, repens-toi, repent. Ton cœur est méchant. Your heart is wicked. Pécheur, repens-toi, sinner, repent. Ton cœur est mauvais. Your heart is wicked. Tu n'es pas différent de ces démons qu'on chasse. You are not different from those demons we are Parce casting que tu refuses out. De recevoir Jésus. Because you refuse to receive Jesus. Jésus a dit, Jesus said, c'est moi qui vous ai choisi. I'm the one who chose you. Mais un d'entre vous est un démon. But one of you is a demon. Jésus a dit, Jesus said, c'est moi qui vous ai choisi. I'm the one who chose you. Mais un d'entre vous est un démon. But one of you is a demon. Pécheur, donne la vie à Jésus. Sinner, give your life to Jesus. On doit crier sur toi comme un démon. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Jesus said, I'm the one who chose you. Mais un d'entre vous est un démon. But one of you is a demon. Un d'entre vous est un démon. One of you is a demon. Un d'entre vous est un démon. One of you is a demon. Comment peux-tu endurcir ton cœur? Why you are hardening your heart? Quand les gens donnent la vie à Jésus à gauche à droite. Why people are giving their life to Jesus right and left? Jésus a dit à ses disciples. Jesus told his disciples. Je vous ai choisi. I chose you. Mais un d'entre vous. But one among est you. Est un démon. Is a demon. Il faut être un démon. He must be a demon. He must be a demon. Pour refuser Jésus en public. To refuse Jesus in public. Pour fermer le cœur. To close your heart. Quand les gens donnent la vie à gauche when à droite. When the life give. The people give their life to Jesus. Yes, come and take her. Ah, come and take her. Satan, go. One of you is a demon. One of you is a demon. One of you is a demon. A demon. A demon. Pécheur. Sinner. Don't have your Jesus. Give your life to Jesus. Don't have your Jesus. Give your life to Jesus. Il faut être un démon même. You need to be a demon. Pour fermer le cœur. To close your heart. À gauche et à droite. When at left and right. Donne la vie à Jésus. People are giving their life Jésus to Jesus. Jésus a dit. Said. Je vous ai choisi. I chose you. Mais un. But one among you. Est un démon. Is a demon. A demon. Pécheur. Sinner. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Tu as besoin comme Christ sur toi comme un démon. You need that we cry on you as a demon. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi. Rise up and come. La paix toujours se fut en vain. Il est repensé tiens qu'il attend de demain. Mais il t'appelle encore suppliant. Reçois-moi. Levez vos mains. Raise your hand. Dis Seigneur Jésus, je me repens. Say Lord Jesus, I repent. Dis Seigneur Jésus, say, je Lord te demande Jesus, pardon. I ask you to forgive me. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je ne veux plus recommencer. I will not take it again. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je prends l'engagement. I take the commitment. De ne plus recommencer. To do it anymore. J'ai provoqué ta colère. I provoke your anger. J'ai provoqué ta colère. I provoke your anger. J'ai provoqué ta jalousie. I provoke your jealousy. En adorant les idoles. By worshiping idols. En vivant selon mes pensées. By living according to my thoughts. En vivant selon mes désirs. By living according to my desires. J'ai provoqué ta colère. I provoke your anger. J'ai provoqué ta jalousie. I provoke your jealousy. Tu peux me détruire. You can destroy me. Mais je te demande pardon. But I ask you to forgive me. Sauve-moi. Save me. Sauve-moi. Save me. Pardonne-moi. Forgive me. Et délivre-moi. And deliver me. Fais de moi un enfant de Dieu. Make of me a child of God. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je ne veux plus recommencer. I will not take it again. Je ne veux plus recommencer. I will not take it again. J'abandonne ce cœur démoniaque. I abandon this demonic heart. Ce cœur incrédule et mauvais. That unbelieving and wicked heart. Je l'abandonne. I abandon it. Ici et maintenant. Now and here and now. J'abandonne les coutumes. I abandon the customs. J'abandonne les traditions. I abandon the traditions.
Maintenant, je veux marcher selon ta parole. Now I want to walk according to your word. Je veux marcher selon ta parole. I want to walk according to your word. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Tendez les mains vers ici et bénissons-les. Stretch your hand to them and let us bless them. Bénissons-les. Let us bless them. Demandons que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Let us pray that the will of God be fulfilled in their life. Tous les démons qui les suivaient ne les suivent plus. Let that all the demons that follow them should not follow them anymore. Les maladies. That the sicknesses, the diseases. Les envoûtements. Bewitchment. Tout ce qui vient de Satan. Whatever is from Satan. Qui a retardé leur vie jusqu'à ce jour. That delayed their life up to today. Que tout cela soit brisé. Let us pray that all this be broken. Que cela soit brisé. That all this brisé, be broken. Brisé, broken. Brisé, broken. Brisé, broken. Broken. Brisé au nom de Jésus. In the name of Jesus. Frayons les chemins devant eux. We pave the way before them. Que le chemin soit frayé devant chacun. Let the way be paved before each one. Marcher dans la justice. To walk in justice. Oh Père. Oh Father. Que le chemin soit frayé devant eux. Let the way be paved before each one. Que le chemin soit frayé devant chacun. Let the way be paved. Pour marcher dans la justice. To walk in righteousness. Pour marcher dans la vérité. To walk in truth. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Là où vous êtes. Where you are, je vous dis la vérité. I tell you the truth. Même si on t'avait programmé, even if you have been planned, qu'on va te manger, to be eaten, c'est annulé. It is canceled. C'est annulé. C'est annulé. It's canceled. Jésus est déjà là. Jesus is already here. Il t'avait abandonné. He abandoned you. Parce que toi-même tu l'avais abandonné. Because you yourself you abandoned him. Maintenant, now, on ne peut plus te toucher. You cannot be touched anymore. On ne peut plus te toucher. You cannot be touched anymore. Il a dit les brebis que le père lui a donné, il les a dans sa main. He said that the sheep that the father gave him, he had them in his hand. Et que ces brebis sont dans sa main et dans la main de son père. And that those sheep are in his hand and in the hands of his father. On dit que les sorciers volent le cerveau. People said that ils volent l'intelligence. Sorcerers steal the brain and the intelligence. Et ils le font. And they do it. Ce qui t'ont pris, ce qui t'ont volé. What they stole from you. Sera restitué. Will be refunded. Eux-mêmes viendront déposer. They themselves will come and give it back. C'est Dieu qui ordonne cela. It is God that commands this. C'est le jour de salut. It's the day of salvation. C'est le jour de salut. The day of salvation. C'est le jour de salut. The day of salvation. C'est le jour de bénédiction. And blessing. Asseyez-vous. Get seated. On va commencer la prière. We are going to start prayer. Et quand on va prier, and when we start praying, soyez concentrés. Be focused. Si un faux prophète gagne un membre de ta famille. If a false prophet wins a member of your family, ça va te faire mal. It will pain you. Et tu vas beaucoup souffrir. And you will suffer a lot. Quand on va te raconter ce qu'on fait de tes frères. When you will be told what they are doing of your brethren, ça va te faire mal. It will harm you. Il y a une sœur. There's a sister. Qui est parti chez son grand frère un jour. Who went to her elder brother one day. Il trouve que and she finds la out maison est vide, pas de fauteuil, pas de chaise, pas de télé, rien. She finds out that the house is empty, no armchair, no television, nothing. Elle demande à son frère, mais qu'est-ce qui se passe? She asks her brother, what's going on? Son frère lui dit. Her brother told him, told her, le prophète a demandé que je donne tous les objets de valeur, que Dieu demande tous les objets de valeur. The prophet said that God requires me to give all the objects of value. Et la sœur était disciple de Jésus. And the sister was a disciple of Jesus. Une de nos sœurs. One of our sisters. Elle a dit non, ça c'est faux. She said no, this Allons. Is false. Let us go. Elle est partie avec son frère. She went with her brother. Ils sont arrivés chez le prophète. They went to the prophet. Elle dit remettez tout. They said give back everything. Remettez. Give. Et elle a récupéré tout. And she took all. Elle est venue donner à son frère. She gave and came and gave to her brother. J'étais quelque part. I was somewhere. Quelqu'un avait une fille, sa fille. Somebody has a daughter. Qui était dépressive. Who had depression. Et un prophète a dit à son père. And a prophet told her father. Que Dieu demande un ordinateur, comme c'est un problème d'intelligence. God requires
a computer, since it is a question of intelligence. Et le père a acheté un ordinateur, il a donné au prophète. And the father bought a computer and gave to the prophet. J'étais donc chez le chez les parents, j'étais dans cette famille là. So I was in that family. Le père me dit, voici un autre message qu'il vient d'envoyer. The father told me he brought another message. Le message disait que Dieu n'a pas accepté le don. The message said that God did not accept the gift. Il faut partir chercher un autre. You must go and seek another one. Je lui ai dit, ça c'est faux, ça c'est fini, tu es délivré. I told him, this is false, finish, you are delivered. Donc, il allait partir d'ordinateur en ordinateur. So, un jour, ça pouvait devenir un bateau. He would be going from computer to computer, and one day it would be a boat. Avec des conteneurs d'ordinateurs dedans. And after some tanks of computers. Si tu apprends qu'on a fait ça à ton frère. If you hear that this has been done to your que c'est Jésus-là qu'on lui a donné. Que voilà sa manière d'être sauvé. And that telling him that this is the way for him to be saved. Mais nous allons faire entrer l'évangile authentique. But we are going to take the genuine gospel into the family. L'évangile authentique. The genuine gospel. Mais il faut qu'il y ait d'ouvriers qui entrent dans ta famille. But there should be workers that enter your family. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lis pour nous Romains 10, verset 14 à 16. Read for us Romans 10, reading from verse 14 to 16. Vous êtes déjà les frères. Hein? You are already brethren. Ce qu'on demande là, demandez ça pour vos familles. What we are asking now, ask it also for your family. Tous les sujets. All the topics. Tout ce qu'on va demander, vous allez voir ça dans vos vies. All that we ask, you also ask. You see it in vous your life. Aurez la joie. And you will have joy. Lis. Read. This 14 à 16. Romans 10, reading from verse 14 to 16. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Je reprends. Romains, chapitre 10, versets 14 à 16. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Amen. Il faut que nos parents croient. Our parents need to believe. Cela demande qu'il y ait des gens qui prêchent l'évangile à nos parents. This requires that there should be people to preach the gospel to our parents. Et le prophète dit. And the prophet says. Si les prédicateurs viennent. If the preachers come. Est-ce que les gens vont les écouter? Will people listen to them? Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Who believed what we preached? Nous devons obtenir ça maintenant. We must obtain this now. Nous allons dire à Dieu. We are going to tell God qu'il faut que nos parents voient cette prophétie s'accomplir. That our parents pray that our parents see this prophecy being. Ou alors que nos familles
or that our families soit des familles où s'accomplissent les prophéties. Should be families where the prophecies are accomplished. Dans les desseins de Dieu, in the purposes of God, les pieds des prédicateurs sont beaux. The feet of preachers are beautiful. Il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. He said, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Les pieds de ceux qui apportent la paix. The feet of those who bring peace. Si dans ta famille, if in your family, on tue ceux qui apportent de bonnes nouvelles, they kill those who bring good news. Tu es misérable. You are miserable. Ça c'est quelle famille ça? What family is it? Les autres nourrissent les envoyés. Others feed those who are sent. Mais tes parents persécutent, lapident les serviteurs. But your relative persecute and stone the servant. C'est une malédiction. This is a curse. Il faut refuser ça. You must refuse. Dis au Père. Say, oh Father. Je veux que mes parents accueillent les prophètes. Let them welcome prophets. Les vrais, il faut ajouter les vrais. The true. Add the ça truth. Va s'accomplir. And it will be fulfilled. Il y a beaucoup de faux prophètes. There are many false prophets. Mais quand Dieu va agir, but when God will act, il va envoyer les apôtres Pierre, les apôtres Paul. He will bring Apostle Peter and Apostle Paul. Il va envoyer les vrais serviteurs de he Dieu. He will send the true servants of God. Il va envoyer les vrais disciples de Jésus. He will send the true disciples of Jesus. Si tu ne demandes pas, if you don't ask, si ça ne te dit rien, if it does not say, un jour, it does not mean anything to you. One day, you will hear. Que un prophète a dit à ton père, that a prophet has told your father que ta femme est sorcière, that your wife is a sorcerer. Chasse-la. Drive her out. Et prends celle-ci. And take this one. Tu vas murmurer. You will murmur. Mais tu n'as pas prié. But you didn't pray. Dis, père. Say, father. Que tes envoyés, let your those one you sent soient bien reçus. Be well accepted, et que receive. Ta parole proclamée, let the proclaim the word, soit bien reçue, be well received, et qu'il y ait des saluts et des délivrances, and that there be salvation and deliverance, de façon authentique, 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 in a genuine way, genuine way. Oh Père, envoie les vrais serviteurs, oh Father, send true servants, qui vont annoncer un évangile authentique, who will preach genuine gospels, un évangile clair, and clear gospel, sans fausse doctrine, without any false teaching, sans ignorance, without any ignorance, pour le salut de nos parents, for the salvation of our parents. Tenons-nous debout, chacun commence à intercéder. Let us stand on our feet. Let each one prie start que ça s'accomplisse. Let us pray that this can be fulfilled. Prie que ça s'accomplisse. Pray that it can be fulfilled. Kuro bakashara bakashura 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 bakashura. Kuro bakashara bakashura bakashura bakashura. Uraba kashaba, uraba kashaba, uraba kashaba, uraba, uraba kashaba, uraba kashaba. Dear oh Père, say oh Father, nous crions à toi. We cry out to you. Qu'ils écoutent ta parole. Let them listen to your word. Qu'ils croient. Let them believe. Qu'ils soient sauvés. And let them be saved. Oh Père. Oh Father. Ta parole dit. Your word says. Que les pieds des prédicateurs. That the feet of the preachers. Et de ceux qui apportent la paix sont beaux. And those who bring peace are beautiful. Nous prions. We pray. Que cette beauté, cette splendeur. That this splendor. Soit vu, soit perçu par be nos parents. Seen and perceived by our que family. Le message soit entendu. That the message be heard. Et que le message soit cru. That the message be believed. Et qu'il y ait des repentants. And that there be repentance. Et qu'il y ait des saluts, des délivrances. And salvation and deliverance. Oh Père, des saluts, oh des Father, délivrances. Continue à prier continue avec pray. Oh, je prie que l'évangile, la splendeur de l'évangile, la splendeur de l'évangile entre dans nos familles, entre dans nos familles, la splendeur de l'évangile, la splendeur de l'évangile, la splendeur de l'évangile, la splendeur de l'évangile pénètre nos familles. Transforme les vies. Oh Père, envoie des vrais disciples. 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 Envoie les vrais disciples. Envoie les vrais pasteurs.
envoie les vrais pasteurs, envoie les vrais prophètes, envoie les vrais évangélistes, envoie les vrais enseignants, envoie Seigneur, choisi par toi-même, éternel. Prions en langue, prions en langue. Let us pray in tongue, pray in tongue. Prie en langue. Pray in tongues. Et c'est le plus grand sujet de la croisade. And it is the greatest topic of the crusade. Ça, c'est le plus grand sujet de la croisade. This is the greatest topic of the crusade. Ça, c'est le grand sujet de la croisade. This is the greatest topic of the crusade. Un sujet aux répercussions éternelles. A topic with eternal repercussions. Un sujet de prière. A prayer topic. Aux répercussions éternelles. With eternal impact. Qui touche le cœur de Dieu. That touches the heart of God. Le cœur de Dieu. It moves the heart of God. Oh, rikabara kora kabaga shura kabaga shura kala kabaga sharga. Ora kabaga shura kala kabaga sharga kala kabaga. Ora kabaga shura kala kabaga sharga kala kabaga. Ora kala kabaga sharga kabaga. Ora kabaga sharga kala kabaga. Ora kabaga sharga kabaga. Left arm at right. Raise your right hand. Dieu, oh Père. Say, oh Father. Pendant que nous sommes en train de crier, why we are crying out, beaucoup sont déjà entre les mains des faux prophètes. Many already are in the hands of prophets. Père, oh Father, délivre-les. Deliver them. Et envoie les vrais serviteurs. And send true servants. Leur ouvrir les yeux. To open their eyes. Comme tu as envoyé l'apôtre Pierre chez Corneille. As you send apostle Peter to Cornelius. Oh Father, brise la prise. Break the hold. Libère-les. Release them. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue to pray. Jusqu'à ce que Dieu te parle. Until God speaks to you. Que Dieu te dise. That God tells you. Qu'il t'a écouté. That he has listened to you. Oh, ridal basanga rabakura bakasega. Guria bakasete kere baltara masema. Guria bakasete kere baltara masema. Guria bakate kase. Guria bakaseba karya maseba. Guria bakaseka ribakala masa. Guria bakala kasega ba. Guria bakala bakashima ka. Dis, oh Père. Say, oh Father. Certains ont été séduits par les démons. Some have been seduced by demons. Certains ont été séduits par les démons. Some have been deceived by demons. Et ils ont créé leur propre ministère. And have created their own ministries. Dans le faux. In false, in fake. Dans l'ignorance. In ignorance. Dans l'erreur. In error. Oh, visite-les. Oh, Lord, visit them. Oh, visite-les. Visit them. Arrange-les. Snatch them. De la prise du diable. From the hold of the demon. Que les chaînes. Let the chains. De la fausse doctrine. Of false teaching. Soient brisées. Be broken. Oh, donne-leur des cœurs. Give them pour revenir à la repentance. To come back to repentance. Pour se soumettre au Seigneur Jésus. To submit to the Lord Jesus. Pour se soumettre au Seigneur Jésus. To submit ourselves to Jesus. Continue à prier. Dis, oh Lord. Entre dans nos familles. Get into our families. Avec la parole vivante. With the living word. Avec la parole vivante. With the living word. Avec des signes. With signs. Avec des signes. With signs. Avec des miracles. And miracles. Avec des délivrances. And deliverances. Avec des guérisons. With healing. Une œuvre parfaite. Oh, a perfect parfaite work. Parfaite et totale. Total and dis, oh Seigneur Jésus. Say, oh Lord Jesus. Oh, nous voulons le plein évangile. We want the full gospel. Le plein évangile. The full gospel. Avec toutes les grâces de Dieu. With all the
manifested in life, manifested dans les vies, manifested in life, de ceux qui vont t'embrasser, of those who will embrace. Continue you. À prier, continue to pray. Dis, oh Seigneur, say, oh Father, beaucoup t'ont reçu, many have received you, et ils ont rétrogradé, and they backslided. Nous crions à toi, we cry out to you, pour que cela revienne, so that those one comes back, ceux qui t'avaient accepté, those who accepted you, ceux qui t'avaient accepté, those who accepted you, et qui ensuite se sont retournés, and after went back, et qui sont retournés manger ce qu'ils ont vomi, and went back to eat what they vomited, ils ont rétrogradé, they have backslided. Oh Seigneur, oh Father, ramène-les, bring them back, bring them back, ramène-les, bring them back. Tu as promis dans ta parole, you promised in your word, que tu vas chercher ceux qui ont perdu, that you seek those who are lost, tu vas ramener ceux qui sont égarés, and you seek those who are oh, lost. Oh Père, oh Father, continue à prier, continue à prier, continue to pray. Oh ramène, 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 ramène ceux qui sont tombés, ramène ceux qui sont tombés, ramène ceux qui sont tombés. Ramène ceux qui sont tombés. Ramène ceux qui sont tombés. Ramène. Oh. Ramène. Ramène, Seigneur. Ramène, Seigneur. Ramène, Seigneur. Délivre, Seigneur. Ramène, Seigneur. Délivre, Seigneur. Ramène, 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 Seigneur. Lis pour nous. Read for us. Psaume chapitre 2, verset 1 à 2. Psaume chapter 2, reading from verse 1 to 2. Soyez concentrés. Be focused. C'est le sujet qui est au cœur de la croisade. It is the topic that is the core of the crusade. Son exaucement vient avec des grandes bénédictions. Its granting comes with great blessings. Des grandes richesses. Great wealth. Regarde le nombre de malades dans ta famille. Look the number of sick people in your family. Imagine que Jésus entre avec les signes et les prodiges. And imagine that Jesus gets there with signs and wonders. C'est la résurrection des morts. It is resurrection. C'est la restauration totale. It's total restoration. Oui. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Amen. Non, continue. Continue. Verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ce sujet, this topic, nous invite à casser les obstacles à l'évangile. Is leading us to break the obstacles to the gospel. L'évangile doit arriver chez toi. The gospel must reach your family. Tes parents paternels, tes parents maternels doivent donner leur vie à Jésus. Your paternal and maternal relative must give their love to Jesus. Ta belle famille doit donner la vie à Jésus. Your family-in-law must give their life to Jesus. Et la parole te pose la question. And the word asks you the question. Pourquoi les gens s'opposent-ils? Why do people rise up au règne de Jésus? Against the reign of Jesus. Jusqu'au roi. Up to the king. Tu vas au champ, tu vas en brousse, un planteur ne veut pas qu'on parle de Jésus. You go in a field, a plantation, in a bush. A farmer doesn't want that we talk about Jesus. Tu vas dans les palais. You go into the palaces. Les rois ne veulent pas qu'on parle de Jésus. The king don't want that we talk about Jesus. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do?
Quelqu'un qui est venu donner sa vie. Someone who came to give his life. Tout le monde s'entend. Everybody get along. Pour le rejeter. To reject him. Pilate a demandé. Pilate asked. Que ferai-je donc de celui qu'on appelle Jésus de Nazareth? What shall I do with the one that is called Jesus of Nazareth? Ils ont dit crucifie-le. They said crucify him. Quel mal a-t-il fait? What harm has he done? Pas de réponse. No answer. Pourquoi? Why? La parole dit. The word says. Ne restons pas passifs. Let us not remain passive. Brisons ces liens-là. Let us break those links. Brisons les chaînes. Let us break the chains. Détruisons cet esclavage. Let us destroy this bondage. Et c'est ce que nous allons faire. And that's what we are going to do. Tu casses l'obstacle. You break the obstacle. Ça va s'accomplir. It will be fulfilled. Tu ordonnes. You command. Que l'œuvre de Dieu soit prise au sérieux chez toi. That the work of God be taken earnestly in your family. Tu auras les échos. You will have the echoes. Pourquoi ces vaines pensées? Why those vain thoughts? Parmi les peuples. Among the people. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Why do the kings of the earth rise up? Et les princes luttent-ils avec eux? And the prince join themselves with them. Brisons les liens. Let us break the ties. Donc brisons les chaînes. Let us break the chains. Et délivrons-nous de leurs liens. And let us deliver ourselves from the ties. Droite. Raise your right hand. Dis, c'est Jésus qui est Dieu. Say it is Jesus who is God. Il est le chemin, la vérité, la vie. He is the way, the truth, and the life. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jesus is the way, the truth, and the life. C'est lui qui doit régner. He is the one who should reign. À lui le règne. À lui la puissance. To him la louange. And magnificent la gloire. Praise and glory. La sagesse. Wisdom. Au siècle des siècles. Forever c'est and lui, ever. C'est lui, c'est lui. He's the one, he's the one. C'est lui qui est descendu. He's the one who came down. Et qui s'est donné à la croix. And who gave himself on a cross. Qui s'est donné à la croix. He gave himself on a cross. Pour servir de rançon. To serve pour as a ransom. Pour nos péchés. For our sins. C'est lui qui a versé le sang expiatoire. He is the one who shed the blood. C'est le sang expiatoire. He is the one who shed the atoning blood. Qui a versé le sang propitiatoire. He is the one who shed the atoning blood. C'est lui qui a versé le sang de l'adoption. He is the one who shed the blood of adoption. C'est lui qui a versé le sang de la justification. He is the one who shed the blood of justification. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. He's the one, he's the one, he's the one. C'est lui, c'est lui, c'est lui. He's the one, he's the one, he's the one. C'est lui que nous invitons. He is the one we are inviting dans nos vies. In our lives. Et dans nos familles. In our families. Commence à prier. Start praying. Dis nous brisons les chaînes. Say we break the chains. Dis nous libérons. We set ourselves free. Que chaque membre de la famille soit libéré. Let any member of the family be released. Que les chaînes soient brisées. Let the chains be broken. Que tout le monde se dirige vers Jésus. That everybody be led to Jesus. Jésus Christ. Jésus Christ. Jésus Christ. Jésus Christ. Dis Seigneur, c'est Lord, en ton nom, in a name, que même la persécution la plus violente, even the most violent persecution, ne bloque pas tes desseins dans nos familles. Let them not block your purposes in my family. Je brise toutes les chaînes, je brise les résistances. I break all the chains and all the resistances. Je brise les résistances. I break the resistance. Juge les attaques démoniaques contre les serviteurs de Dieu. I judge the demonic attack against my family. Dis nous jugeons les attaques démoniaques. Say we judge the demonic attack. Résistance démoniaque. The demonic resistance. Nous dispersons les coalitions des we hommes méchants. Scatter the union. Nous détruisons les coalitions des incrédules. We destroy the union of nous proclamons unbelievers. Que c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. And we proclaim Jésus, that it is Jesus, Jésus, it is Jesus. C'est Jésus, it is Jesus, it is Jesus. Continue à prier. Continue to pray. Guru Bakasha Bagaraka Bakasha, Guru Bakasha Bagaraka, 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 Jésus Christ.
Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous jugeons les coutumes. We judge customs. Nous jugeons les traditions. We judge traditions. Nous imposons l'évangile. We impose the gospel. Assieds-toi et continue à prier. Get seated and continue to pray. Dis merci à Jésus. Say thanks to Jesus. Dis merci à Jésus. Give thanks to Jesus. Dis, ça va s'accomplir. Say it will be accomplished. Dis, au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Say in the name of Jesus, it will be accomplished. Dis, les disciples mangeront les totems des forêts et des eaux. Say the disciple will eat the totems of forest and waters. Tous ces poissons qui sont là de génération en génération. All those, quand les églises seront implantées, les disciples vont manger ces poissons-là. All those fish who are there from generation to generation, when church will be planted, the disciples will eat them. Ce ne sont pas des dieux, ce sont les poissons. They are not gods, they are fish. Ceux qui ne mangent pas le gombo vont savourer. Those who don't eat okra, les sauces gombo. They will eat okra soup. Ils verront combien. And they will see how. Merveilleuse la liberté en Christ. It's wonderful freedom in Christ. Ça va s'accomplir. It will be accomplished. Il y aura des conversions authentiques. There will be genuine conversions. Certains membres qui sont dans la sorcellerie vont exposer la sorcellerie sans peur, sans crainte, sans honte. Even some who are in witchcraft, they will expose witchcraft without shame and without fear. Et ils seront délivrés authentiquement. And they will be genuinely delivered. Et leurs témoignages vont délivrer des milliers de personnes dans les nations. And their testimonies will deliver thousands of people in nations. Le Seigneur va agir. The Lord will act. Tous les enfants que les démons réclament vont entrer dans la liberté. The children that are claimed by the demons will get into freedom. Ça va s'accomplir. It will be accomplished. Dans notre génération, ce n'est pas que dans 100 ans. In our generation, it's not in 100 years. Même les échos de la bonne nouvelle vont délivrer les captifs. Even the echoes of good news will deliver captives. Lis pour nous. Read for us. Marc 6, verset 52. Mark chapter 6, verse 52. C'est une exhortation que j'ai reçue pendant que j'ai préparé la rencontre. It is an exhortation that I received while I was preparing the encounter. Mark 6, 52. Mark chapter 6, verse 52. Et Matthieu 13, 58. And Matthew 13, 58. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. Si tu as prié ce soir, if you prayed this afternoon, il ne faut pas douter. Do not doubt. Les miracles miracles sont proportionnels à la foi.
des croyants. Are proportional to the faith of believers. Rien n'est impossible pour Dieu, tout ce que nous demandons là. Nothing is impossible to God, all that we are asking for. Mais le vrai frein, but the real break, est dans le cœur des uns et des autres. Is in the hearts of the ones and the others. Jésus a opéré un miracle. Jesus worked a wonder. En donnant du pain. By giving bread. En multipliant le pain. By multiplying the bread. En multipliant les poissons. And multiplying the fish. La Bible précise que. The Bible precises that. Quelques-uns n'avaient pas compris ce miracle. Some did not understand this miracle. Parce que leur cœur était endurci. Because their heart was hardened. Somebody can say, oh, the bread. Bon, le pain, on a multiplié. Yes, the bread has been multiplied. Peut-être que c'était des longs pains. Maybe there were long breads. Et il est bloqué. And he is blocked. Par les frères en témoignage. When the brethren testify. Quelque chose te dit. Something tells you. C'est logique. This is logical. Personne ne voit. No one sees. Mais Dieu a vu ton cœur. But God has seen your heart. Tu ne comprends pas. You do not understand. Qu'un esprit peut bloquer quelqu'un. That a spirit can block someone. Tu es comme les Sadducéens. You are like Sadducees. Pour eux, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'ange, rien. For them, there is no spirit, there is no angel, nothing. Mais si tu crois, but if you believe, tu verras la gloire de Dieu. You shall see the glory of God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. And Jesus didn't perform many wonders. Parce qu'ils ne croyaient pas. Because they did not believe. Dis Seigneur. Say Lord. Pardonne-moi. Forgive me. Tu connais mes doutes. You know my doubts. Tu m'as vu. You've seen me. Tu as su que je serai là ce soir. You knew that I would be here this afternoon. Tu veux changer mon cœur. You want to change my heart. Parce que tu veux me bénir. Because you want to bless me. Frère, Dieu honore la foi. Brethren, God honor faith. Jesus is just near you. Est-ce que tu le vois? Do you see him? Et puis il te parle. And he's speaking to you. Est-ce que tu entends? Do you hear him? Le prophète Isaïe a dit. Prophet Isaiah said, Seigneur, Lord, est-ce qu'ils vont croire? Will they believe? Est-ce qu'ils vont croire? Will they believe? Il voyait Jésus venir. He saw Jesus coming dans le monde, in the world, sans bruit, without noise. Il dit il était comme une faible plante qui pousse. He said that it was just like a simple plant that springs up. Sans gloire. Without glory. Il dit, Seigneur, est-ce que les gens vont croire ce qu'on annonce? Oh Lord, will people believe what we'll announce them? Si Jésus venait, vroom, if Jesus came, vroom, oh, with a great noise. People will kneel down right now.
Jesus has come. Read Isaiah 53. C'est ce soir que tu vas prier pour la première fois comme tu n'as jamais prié. It's this afternoon that you will pray for the first time as you have never done before. Vous savez, détruit le doute. The Lord destroys doubt. Il crée en toi l'espérance. He creates hope in you. Lis. Read. Jusqu'au verset 6. Up to verse 6. Ésaïe, chapitre 53, du verset 1 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Amen. Oui. Yes. Rien pour attirer nos regards. Nothing to attract our looks. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. As a stillborn child that is coming out of dry land. Isaïe veut dire. Isaiah wants to say. Oh Dieu. Oh God. Quand nous allons dire aux gens, when we tell people que voici celui qui a porté vos maladies, that here is the one that bore your sicknesses, est-ce vont croire? Will they believe? Est-ce que tu crois? Do you believe? Est-ce que tu crois? Do you believe? Est-ce que tu crois que Jésus a porté tes maladies? Do you believe that Jesus bore your diseases? Et que par ses maîtrisures, tu es guéri. And that by his stripes, you are healed. Si tu crois, if you believe, tiens-toi debout. Stand on your feet. Demande-lui la guérison. Ask him for healing. Tu dis le mal. Pardon, par le nom. You name the sickness by name. You name the sickness. Sorry. Personne ne doit écouter les maladies des autres. No one must give hearing. I mean to listen to the sicknesses of others. Si tu as une maladie, if you have a sickness, que tu veux, that you want, que Jésus enlève, that Jesus removes. En fait, il a déjà enlevé. In fact, he has already removed. Ça s'accomplisse pour toi. And you want it to accomplish it for you. Le passage qu'on a lu. The passage we've read il a porté les maladies. Says that he carried our diseases. Là où tu es là, tu es malade, c'est vrai. Where you are sick, it's true. Mais Jésus a pris ça depuis sur lui. But Jesus has taken it ever since. Dès que tu exerces ta foi, as soon as you show your faith, ça s'accomplit. It will be accomplished. C'est ce que ça veut dire. That's what it means. Il n'a pas dit par ses maîtrisures nous serons guéris. He didn't say by his stripes we will be healed. C'est par ses maîtrisures. It is by his stripes that it is by his stripes that we are healed. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. We are healed. Nous sommes guéris. We are healed. Nous sommes guéris. We are healed. Prie pour toi-même. Pray for yourself. Tu poses les mains sur ta tête. You lay your hands upon your head. Appelle la grâce sur toi. Call the grace upon you. Appelle la grâce sur toi.
call grace upon you. Dis-lui, Seigneur, je crois. Say, Lord, I believe. Je crois. I believe. Que par tes maîtrises, that by your wounds, I am healed. Je crois. I believe. Je crois. I believe. Je crois. I believe. À ce qui a été annoncé. What has been announced. Je crois. I believe. À ce qui a été annoncé. That have been announced. Je reconnais ta main. I recognize your hand. Je reconnais ton bras. I recognize your hand. C'est toi. It is you. Qui peut enlever cette maladie. Who can remove that sickness. C'est toi qui a ressuscité Lazare. You are the one who brought Lazarus to life. Lazare était déjà mort. Lazarus was already dead. Mais moi, je suis encore vivant. But I am still alive. Moi, je suis encore vivant. I am still alive. Si tu ressuscites les morts, if you raise the dead, après 4 jours, after 4 days, quelqu'un qui sentait déjà, somebody who was already stinking, encore, and he gave him life. Je vis encore. But I am still alive. Délivre-moi. Deliver me. Agis sur moi. Act upon me. Agis pour moi. Act for me. Act for me. Agis sur moi. Act upon me. Agis sur moi. Act upon me. Arrangez le micro. Dis Seigneur, agis pour moi. Say Lord, act for me. Agis sur moi. Act upon me. Holy Kapashakara. Si tu ne peux pas parler à haute voix à cause de la foule, tu te détaches. If you can't, là où personne ne te dérange. If you cannot speak loudly because of the multitude, you can get out of the multitude and go where you. But pray well. Toutes sortes de maladies. Any type of sickness. Chacun présente sa maladie. Each one presents his sickness. Ou c'est tes maladies. Or your sicknesses. Débarrasse-toi de toutes ces maladies. Get rid of all these diseases. Dis Seigneur, say Lord, je crois, I believe, je crois, I believe, je crois, I believe. Que tu as porté mes maladies. That you carried my diseases. Tu as porté mes maladies. You carried my diseases. Continue à prier. Continue to pray. Oh, Ridan Bashar. Oh, Ridan Bashar. Oh, Ridal Bashara. Oh, Ridal Bashara. Oh, Rabagashara. Insistez sur les maladies, les maladies, les maladies. Let us insist on the sick diseases. Si Dieu décide. De chasser un démon, c'est bien. Mais toi, insiste sur la maladie. If God decides to cast out a demon, it's good. But you insist on the sicknesses. Le Seigneur va agir. The Lord will act. Les boules vont disparaître. Boils
will disappear. Les boules vont disparaître. Balls will disappear. Les fibromes vont disparaître. Fibroids will disappear. Les virus vont disparaître. Viruses will disappear. Il y a le sang de chacun sera purifié. The blood of each one will be purified. Le foie de ceux qui ont mal au foie sera, le foie de chacun sera guéri. The liver of each one will be delivered. Le foie de chacun sera guéri. Le foie de chacun sera guéri. The liver of which one will be healed. Purifié des hépatites. Purifié du cancer. Purified from cancer. Toutes les maladies du foie, toutes les maladies du foie. All the sicknesses of the liver. Jésus les a portées. Jesus carried them. Jésus les a portées. Jesus bore them. Jésus les a portées. Jesus bore them. Les maladies de la colonne vertébrale. The sicknesses of les maladies de la colonne vertébrale. The spinal bones. Jésus les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried them. L'hernie discale. Hernia. L'hernie discale. Discal hernia. Jésus l'a porté. Jesus bore Jésus l'a porté. Jesus bore them. Le mal du cœur. The pain in the heart. Toutes les maladies du cœur. All the diseases of the Jésus heart. Jésus les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried them. Toutes les maladies des poumons. All the diseases toutes of les the maladies lungs. Du poumon. Diseases of the lungs. Jésus les a portés. Jesus les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried them. Toutes les maladies de l'estomac. All the sicknesses of the toutes stomach. Toutes les maladies de l'estomac. Sicknesses of the Jésus stomach. Les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried them. Toutes les maladies des intestins. All the sicknesses of the toutes intestines. Les maladies des intestins. The sicknesses of the intestines. Jésus les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried them. Toutes les maladies des yeux. All the sicknesses of toutes the les eyes. Des yeux. Eyes. Jésus les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried les them. Maladies de la gorge. The diseases of the throat. Les maladies de la gorge. Diseases of the throat. Jésus les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried them. Toutes les maladies du nez. All the sickness of nez. The nose. Sickness of the Jésus nose. Les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried them. Jesus carried them. Jesus carried them. Toutes les maladies de la peau. All the sicknesses toutes of les maladies de la peau. Diseases of the skin. Jésus les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried them. Toutes les maladies des nerfs. All the Jésus sicknesses of the nerves. Jesus carried Jésus them. Les a portés. Jesus carried them. Toutes les maladies des dents, des dents, des dents. Diseases of the tooth, the Jésus teeth. Les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried them. Toutes les maladies de la langue. All the diseases of the tongue. Jésus les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried toutes them. Toutes les maladies de l'utérus. All the sicknesses toutes les maladies of the des ovaires. Diseases of ovaries. Toutes les maladies des trompes. Sicknesses Jésus of the les a portés. Tubes. Jésus les a portés. Jesus bore them. Jésus les a portés. Bore them. He bore them. Jésus les a portés. Jesus carried them. Toutes les maladies des reins. The sicknesses of the Jésus kidneys. Les a portés. Jesus carried them. Toutes les maladies de la vessie. All the Jésus sicknesses les of the bladder. Jesus carried Jésus les a portés. Jesus carried them. Toutes les maladies de la prostate. The diseases of the prostate. Jésus les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried them. Jésus les a portés. Jesus carried them. Prions en langue. Let us pray in tongues. Obaga obaga joro obaga goba jero obaga goba jero obaga obaga joro obaga goba jero obaga goba jero obaga obaga joro obaga goba jero obaga goba jero obaga 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 jero obaga goba jero obaga dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Toutes les maladies du cerveau. Sicknesses Jésus les a portées. Jésus les a portées. Jesus carried them. Jésus les a portées. Jesus carried them. Toutes les maladies des os. All the diseases of the les os. Of the bones. Jésus les a portées. Jesus carried them. Jésus les a portées. Jesus carried them. Jésus les a portées. Jesus carried them. L'intelligence. Intelligence. Toutes les maladies qui attaquent l'intelligence. All the sicknesses that attack the intelligence. Jésus les a portées. Jesus carried them. Jésus les a portées. Jesus carried them. Obaga obaga joro obaga goba jero obaga goba jero obaga obaga joro obaga goba jero obaga obaga joro obaga goba jero obaga. Dis toutes les maladies de l'appareil génital de l'homme. All the sicknesses of Jésus les a portées. Jésus les a portées. Jesus carried them. Jésus les a portées. Jesus carried them. Jésus les a portées. Jesus carried them. Obaga obaga joro obaga goba jero obaga. Toutes les maladies du col de l'utérus. Jésus les a portés. Jésus les a portés. Dis oui, oui, Jésus les a portés. Jesus carried them. Jesus carried them.
All the sicknesses. Maladie. All the sicknesses. Jésus vous a porté. Jésus vous a porté. Dans son corps. In his body. À la croix du calvaire. In the body. Dans son corps. In his body. À la croix du calvaire. On the cross of Calvary. Vous n'avez plus droit you no longer have de right. rester dans nos corps. You have no right to remain nous vous chassons maintenant. We cast you out nous vous chassons maintenant. We cast you out toute now. Maladie. All toute maladie. All the toute maladie. Toute maladie. Au nom de Jésus-Christ. Partez, partez, partez. Go, partez, partez, partez. Depart, depart. Partez, partez, partez. Depart, depart. Depart, depart. Dites toutes les maladies qui attaquent les nerfs. C'est all the sicknesses qui produisent la paralysie. Jésus paralysie. Vous a porté. Jesus. Partez. Depart. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Depart. In the name of Jesus. Continue à prier. Continue to pray. Vous, pendant que tu pries, tu fais des mouvements. While you are praying, you make movements. Tu crois. If you believe. Que Jésus a porté. That Jesus bore. Souviens-toi de ce que le prophète a dit. Remember what the prophet said. Qui a cru? Who à ce qui a été annoncé? To what was announced? Qui a cru? Who believed? Urabaka sharbaka sharbaka urabaka sharbaka urabaka sharbaka gobajerbaka gobajerbaka. Obaga jorbaga gobajerbaga obaga jorbaga gobajerbaga obaga jorbaga gobajerbaga baga shaka baga jorbaga obaga jerbaga ura baga jerbaga obaga jerbaga ura baga jerbaga jerbaga Dieu au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous jugeons. We judge. L'armée des démons. The host of demons. Qui se nourrissait de ces maladies. Who were feeding from these. Vous démons. We are demons. Qui était derrière ces maladies. Who were which were behind those sicknesses, que nous chassons that we are casting out, parce que Jésus les a déjà portés. Because Jesus has already carried them. Vous aussi. You too. Partez. Depart. Nous vous chassons. We cast you out. Parce que Jésus nous a délivrés. Because Jesus has delivered us. De la prise des démons. From the hold of demons. Continue à prier avec violence. Continue to pray in other tongues. Ne laisse aucune maladie dans ton corps. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que toutes les maladies. Let all the sicknesses. Qui ont été citées par les frères. That have been mentioned. Disparaissent. Disappear. Dis au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Maladie. Sicknesses. Si un frère a dit ton nom. If a brother has dans said sa your prière. Name, prayer, dans sa prière individuelle. In his individual prayer. D'un commun accord maintenant. In one accord. Nous te commandons. We command you. De partir. To depart. Que les corps restent libres. Libre, 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 libre. Guéri, guéri, guéri. Guéri, guéri, guéri. Libre, guéri. Libre, guéri. Continue à prier, continue à prier. Ura bakashara, bakashara, bakashara. Ura bakashara, bakashara, bakashara. Ura bakashara, bakashara. Ura bakashara, bakashara, bakashara. Ura 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 bakashara, bakashara. Que le joug soit brisé. May the yoke be le joug de chaque maladie soit brisé. The yoke of each is not be broken. Oh, l'ikabarakasa, que la gloire du Seigneur éclate. Que la gloire du Seigneur éclate. May the glory of the Lord be shown. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Venez vous asseoir. Get seated.
Non, soyez concentrés. Remain focused. Vous arrêtez la prière. Vous concentrez. Si quelqu'un doit bouger ou crier, c'est un démon. If someone has to move, it's a demon. So remain silent. Parce que Dieu peut te parler. Because God can speak to you. Nous n'adorons pas les idoles. We don't worship idols. Dieu peut te dire, je t'ai exaucé. God can tell you, I have granted you. Pour toi, déjà réglé. Dieu peut te dire. God can tell you. Pardonne à telle personne. Forgive such a person. Que tu n'as pas pardonné. If you don't forgive. Donc je ne t'exauce pas. That person you didn't forgive. Parce I will que tous ceux qui n'ont pas pardonné. All those who have not forgiven. Ne peuvent pas être pardonnés. Cannot be forgiven. Dieu peut te dire. God can tell you. Fais-moi un vœu. Make an oath. La prière est une transaction très sérieuse. Prayer is a very earnest transaction. Tu peux dire à Dieu. You can tell God. Donne-moi un chiffre d'affaires de 2 milliards. Give me a figure of 2 billion. Je te donne la moitié des bénéfices. I will give you the half of the benefits. Ça c'est entre toi et ton père. This is between you and your father. Tu peux dire à Dieu. You can tell God. Si tu enlèves ce mal. If you remove that harm, that pain. Je veux prêcher l'évangile. I will preach the gospel. Et implanter les églises. And plant churches. Donc, quand tu es calme, when you tu are ne perds pas le temps. Calm. Être calme ne veut pas dire qu'on perd le temps. Being silent does not mean that you are wasting time. Si ta transaction est même puissante, si un démon lui-même va commencer à crier, if your transaction is mighty, if there is a demon, he himself will start shouting. Surtout les maris de nuit, ils n'aiment pas quand on confesse à Jésus qu'on l'aime. Above all, the spiritual husband. Quand ton cœur s'attache, when your heart is attached, il va commencer à crier maintenant. To Christ, he starts crying now. Donc, quand on dit restez calme, ce n'est pas qu'on perd le temps. So when we tell you remain silent, quiet, it's not that we are wasting time. C'est qu'on continue. Is that we continue? À implorer la grâce du Seigneur. To implore the grace of God. Tu dis au Seigneur que tu as pris, tu as compris. Tell the Lord that you have understood. Que tu vas l'aimer. That you will love him. De tout ton cœur. With all your heart. De toute ton âme. With all your soul. De toute ta force. And with all your strength. De telle sorte que so that les ennemis. The enemies. Et le cœur brisé. Have a broken heart. Parce que l'enfant se réconcilie avec son père. Parce que l'enfant se réconcilie avec son Because père. Because the child has reconciled with his father. Maintenant, dis à Jésus. Now tell Jesus. S'il y a dans ma vie ou en moi. If there is in my life or in me. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas les démons en eux, mais les démons les suivent. There are people who do not have demons in them, but the demons follow them. Les démons sont dans leur vie. And the demons are in their life for some others. Comme si tu vivais avec quelqu'un dans une même chambre. As if you are living with someone in the same room. Dieu n'a jamais prévu God has never planned qu'un être humain va cohabiter avec un esprit impur. That a human being will cohabit with an unclean spirit. Dis à Dieu. Tell God. Non, pas dire à Dieu. Dis au nom de Jésus, s'il y a un esprit, un démon en moi ou dans ma vie qui part maintenant. Say, oh Lord,
saying, in the name of Jesus, if the demon in me or around me, let him go, depart now. Vous aussi priez avec violence. You too, pray fervently. Dis Seigneur. Say Lord. S'il y a un démon en moi. If there is a demon in me. Ou dans ma vie. Or in my life. Qu'il parte. Let him depart. Qu'il parte. Let him depart. Dis-toi démon. You demon. Qui que tu sois. What, whoever you are. J'ordonne. I command. Que tu partes. That you depart. J'ordonne. I command que tu partes. That you depart. J'ordonne. I command que tu partes. That you depart. J'ordonne. I command que tu partes. That you depart. Continue à prier. Ora bakasoro bakasara bakasoro bakasara bakasoro 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 Esprit méchant, va-t'en, vite, vite. Spirit, depart quickly. Va-t'en. Depart. Écoutez. Listen. Si on t'avait envoûté, if you have been bewitched, et qu'on a jeté dans l'eau, and thrown in water, on a pris des objets qui étaient en contact avec toi. There, some objects that were in contact with you have been taken. On a préparé l'envoûtement. And prepared the bewitchment. On a jeté dans l'eau. And cast into the water. Ou dans la mer. Or into the sea. Ou dans la lagune. In the lagoon. Ou dans un torrent. Or in a torrent. Ou dans un fleuve. Or in the ou dans in une a river. Rivière. In a river. Ou dans les marécages. Or in a river. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Je déclare que tu es libre. I proclaim that you are free. Et j'ai détruit les objets d'envoûtement. And I destroy the objects of bewitchment. J'ordonne ta délivrance. I ordain your deliverance. J'annule. I cancel les projets de Satan. The project of Satan. Derrière cet envoûtement. Behind those bewitchment. Sors, Satan. Demon, get out and depart. J'annule cet art. J'annule cet art. I cancel this act. J'annule cet art. I cancel this j'annule act. Cet art. I cancel this act. J'annule cet art. I cancel this je act. Je te chasse. I cast you out. Va-t'en. Go.
snatch la victime dans tes mains. I snatch the one you have caught within your hand. Je l'arrache dans tes mains. I snatch from your hand. Je l'arrache dans tes mains. I snatch from your hand. Je brise cet envoûtement. I break this bewitchment. Je brise cet envoûtement. I break this bewitchment. Je déclare. I declare que la personne est libre, 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 free, libre, free, free, libre, libre, free, free, libre, libre, free, free. Je déclare I declare cette personne that that person est libre, is free, libre, free, libre, free, libre, free. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Toute puissance d'envoûtement à travers les eaux. Any power of bewitchment through waters. Quelle que soit la pratique que vous avez utilisée. Whatever the practice that have been used. Je déclare. I declare. La liberté de la personne. The freedom of the person. Je déclare. I declare. La liberté de la personne. The freedom of the person. Je déclare. I declare. La liberté de la personne. The freedom of the person. Je déclare. I declare. La liberté de la personne. The freedom of the person. Déclare. I declare. Je déclare. I declare. La liberté de la personne. The freedom of the person. Je déclare. I declare. Que tu es libre. That a person is free. Je déclare. I declare. Que tu es libre. That you are free. Tout envoûtement. Any bewitchment. Par la puissance des eaux. By the power of water. Est jugé. Is judged. Jugé. Judged. Tout de suite. Right now. Et les captifs libérés. And captives free. Vous ne l'aurez plus jamais. You do not come anymore. Vous ne l'aurez plus jamais. You come no more. Si vous avez mis son âme if you have put his soul dans une bouteille avec de l'eau, in a bottle with water, je casse la bouteille. Break the bottle. Je casse cette bouteille. Break that bottle. Je libère son âme. And I release his soul. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. J'insiste. Si c'est une boîte, I insist, ou un canari, ou il y a de l'eau dedans. With water in si it. C'est un canari, ou il y a de l'eau dedans. With water je casse. I break it. Je casse. I break it. If it is a granary. C'est un canary. If it is a granary. Dans lequel on a mis de l'eau. In which they put water. On a envoûté la personne. And bewitch the person. Je casse. I break it. I break it. J'insiste. I insist. Les bouteilles. Bottles. Les calabasses. And les canaries. Les canaries. Granaries. Je les casse tous. I break them all. Je les casse tous. I break them all. Je brise tout. I break them all. Je brise tout. I break them all. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Et que les démons s'en aillent. And let the demons. Démons va-t'en. Demons depart. Si on a envoûté quelqu'un, if someone has been bewitched, et on a jeté les objets d'envoûtement dans le cimetière, and the objects of bewitchment have been thrown in graveyards, je déclare que tu es libre. I declare that you are free.
Je te sépare. I separate you de ces objets. From those objects. Je te sépare de ces objets. I separate you from those objects. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Je te délivre de tous les esprits de mort. I deliver you from all the spirits of death. Esprit de mort. A spirit of death. Je vous renvoie dans le séjour de mort. I send you back in Hades. Esprit de mort. Spirit of death. Esprit de mort. The spirit of a dead person. Va-t'en, 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 va-t'en. Depart, depart, depart. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Depart, depart, depart. Ou bien tu es la mort elle-même. Or, you yourself, you are death. Et tu veux précipiter quelqu'un dans la tombe avant le temps. And you want to throw someone down into the tomb. Va-t'en! Depart! La mort. Death. Va-t'en! Depart! Mort. Death. Va-t'en! Go! Mort. Death. Va-t'en. Depart. Va-t'en. Depart. Va-t'en. Depart. Mort. Death. Va-t'en. Depart. Tu n'auras personne ici. You have. Va-t'en. Va-t'en. Depart. Depart. Toi, la mort. You death. Tu es exposé. You are exposed. Jésus t'a vaincu. Jesus have overcome you. Tu es chassé. Va. You are cast out. Go. Go. Va. 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 Go. Go. Va-t'en. Depart. Va-t'en. Vite, vite. Depart. Tu n'auras pas de mort précoce ici. There will not be any early death here. Va-t'en. Depart. Et les autres, suivez-les. Suivez-les. Sovereign. Tous les autres esprits de mort, partez, partez. You, spirit of death, depart, depart. Si tu es d'esprit, if you are a spirit qui produit les accidents, that produces accident, tu es caché dans une vie, you are hidden in a life, pour causer des accidents, to cause accidents, et partout où tu te trouves, wherever you find yourself, qu'on oublie le feu sur le gaz, and you bring people to forget the gas, tu crées des incendies, you create. Tu crées des chutes, des chutes, tu crées des chutes. You create falls. Va-t'en. Depart. Tes œuvres sont mauvaises. Your works are evil. Va-t'en, vite, va-t'en, vite. Depart speedily. Va-t'en, vite, vite. Depart speedily. Tu ne resteras pas. Tu ne resteras pas. You shall not remain here. Tu ne resteras pas. You will not remain here. Va-t'en. Depart. Esprit d'accident. Spirit of accident. Tu es le messager de la mort. You are the messenger of death. Tu es messager de la mort. You are a messenger of death. Le résultat est le même. The result is the same. Provoque des erreurs. You provoke mistakes. Pour détruire. To destroy. Va-t'en. Depart. Kurabaka. Je brise ta résistance. I break your resistance. Je juge le secours que tu appelles. I judge your help. Je juge toute coalition. I judge any condition. Je juge toute coalition. I judge any condition.
Va-t'en, vite, 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 vite. You back speedily, speedily. Jésus t'a vaincu à la croix. Jesus has overcome you on the cross. Esprit méchant. Wicked spirit. Esprit méchant. Wicked spirit. Esprit méchant. Wicked spirit. Si tu causes le suicide, if you toi, cause, toi qui causes le suicide, you who causes suicide, toi qui causes le suicide, you who cause suicide, est démon, demon, de suicide, of suicide, démon de suicide, demon of suicide, démon de suicide, demon of suicide, va-t'en, depart. Tu fais le même travail que l'esprit de mort. You do the same work as the spirit of death. Va-t'en maintenant. Depart right now. Suicide. Suicide. Donc, qui conseille de se jeter sous les véhicules? Leave people to de throw tomber themselves dans on cars. Va-t'en. Depart. Tu es mauvais. You are wicked. Tes conseils sont iniques. Your advice are evil. Jésus Christ. Jesus. Jésus Christ. Jesus. Jésus Christ. Jesus. Jésus Christ. Jesus Christ. Esprit de dépression. Spirit of depression. Tu es exposé. You are exposed. Tes mensonges sont exposés. Your lies are exposed. Tes œuvres sont exposées. Your works are exposed. Va-t'en. Depart. Si tu sais, if you know, que tu parles aux gens pour mentir, that you speak to people to lie, pour oppresser, to oppress, afin qu'ils deviennent des insensés, so that they become fools. Le jugement de Dieu est contre toi. We judge your words. Le jugement de Dieu est contre toi. You judge your words. Sors maintenant. Depart now. S'il y a un homme, if there is a man, une femme, or a woman, qui est troublée dans sa vie, who is troubled in her life, par un mari de nuit, or in his life by a spiritual husband, ou une femme de nuit, or a spiritual wife, mari de nuit, femme de nuit, spiritual husband, spiritual wife, va-t'en, depart, va, 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 depart, go. Va-t'en. Go. Si tu troubles la vie d'un homme ou d'une femme, if you trouble the life of a woman or a man, va-t'en. Go. Esprit appelé mari de nuit ou femme de nuit. Spirit called, named spiritual husband or spiritual wife. Ce mariage est fini. This wedding is over. Va! Depart! Va! Go! Ne reviens plus. And come no more. Et le vrai mariage est libéré. The true marriage is released. Le vrai mariage est libéré. True marriage is released. Le faux mariage est anéanti. The first marriage is brought to naught. Le faux mariage est anéanti. The first marriage is brought to naught. Le vrai mariage est libéré. True wedding is released. Dans la lumière. In the light. Dans la lumière. In the light. Dans la lumière. In the light. Tu ne peux pas te cacher. You cannot be hidden. J'ai dit mari de nuit. I say spiritual husband. Mari de nuit. Spiritual husband. Va-t'en. Depart. Vite. Speedily.
Oui, va-t'en. Yes, go. Va-t'en. Go. Votre royaume, your kingdom, est dispersé, is scattered, secoué, shaken, dispersé, secoué, shaken, dispersé, shaken, scattered. Les vrais mariages, les vrais mariages. True weddings, les true weddings. Mariages, les vrais mariages. True weddings, true selon weddings. Selon les desseins de Dieu. According to the purpose nous les libérons, nous les libérons. We release, nous les libérons, nous les libérons. We release, we release. Oh, les vrais mariages. Oh, true weddings. Selon la volonté de Dieu. According to the will of God. Une bénédiction pour l'Église. A blessing to, for les the church. Les vrais mariages. True weddings. Et toi, démon. You, demon. Qui se tient entre deux conjoints. Who stand between two partners. Pour casser le mariage. To break the wedding. Toi-même, tu es cassé. You yourself is broken. Va-t'en. Depart. Va-t'en, vite, vite, vite. Depart speedily. Si tu as commencé ton travail, même si tu n'as pas encore commencé, tu dois partir. If you have started your work or you have not started yet, you must go. Tu dois partir. You must go. Même si tu te préparais encore, even if you are getting ready, tu as perdu. You have lost. Va-t'en maintenant. Depart now. Va-t'en. Depart. Va-t'en, vite, vite. Depart speedily. Va-t'en. Go. Nous brisons l'esclavage. We break the bondage. Nous brisons les revendications. We break the claims. Jésus a payé le prix. Jesus paid the price. Pour la libération de tous les captifs. For the freedom of all the captives. Jésus a payé le prix. Jesus paid the price. Jésus a payé le prix. He paid the price. Jésus a payé le prix. Jesus paid the price. Jésus a payé le prix. Jesus paid the price. Jésus a payé le prix. Jesus paid the price. Pour la libération des captifs. For the release of captives. Je proclame I proclaim que Jésus a payé le prix. That Jesus paid the Jésus a payé le prix. Jesus paid the price. Jésus a payé le prix. Jesus paid the price. Pour la libération des esclaves. For the release of slaves. Pour la libération des esclaves. For the freedom of slaves. Jésus a dit. Jesus said. Tout est accompli. All tout is est accompli. All tout is est accompli. All is accomplished. Esprit méchant. Wicked spirit. Esprit méchant. Wicked spirit. Va-t'en. Depart. Si les sorciers t'utilisent, if the sorcerers use you, qu'ils ont placé un esprit dans ta vie, that they have put a spirit in your life, et à travers cet esprit, and through that spirit, on t'amène à la sorcellerie, they lead you to witchcraft, et on te ramène, and they bring you back, sans que tu le saches, without you knowing. Je te chasse. I cast you out. Je te chasse. I cast you out. Elle ne partira plus. She will no more go. Je te chasse, va-t'en. I cast you, go. Va-t'en, vite. Depart speedily. Oui. Yes. Tu étais là. You are here, you are dès there. Qu'il vient, tu ouvres la porte. You come, you open the door. On le prend ou on la prend. Or they take her or they take him. Et on vient la déposer. And they come to deposit her. Sans rêve, rien, rien, rien. Without tu es jugé. You are cast out. Tu es jugé. You are judged. Va-t'en. Depart. Toute personne, any person, victime d'une manipulation,
who is victim of manipulation. Que les sorciers sont avec toi. That the sorcerers are with you. Ils te prennent. They take you. Ils mangent avec toi. They eat with you. Ils te ramènent. And they bring you back. Ils placent un esprit. They put a spirit. Pour garder la porte. To keep the door. Et tu ne sais rien. And you know nothing. Tu es libre. You are free. Tu es libre. You are free. Que les démons s'en aillent. Let the demons depart. Esprit est pur. Spirit. Va-t'en. Go. Jésus-Christ. Jesus. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis, nous proclamons. Say we proclaim. Que Jésus a payé le prix. That Jesus paid the price. Que tout genou fléchisse. That any knee. Que tout genou fléchisse. Any knee bow. Dis-toi, démon. You demon. Qui veut résister? Who want to resist? Va-t'en. Depart. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Offrande d'acclamation. Clap offering. Des cris de joie, des cris de shout victoire. Shout of joy, shout of victories. Les semeurs. Sowers. Jésus n'a pas changé. Jesus has not changed. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Changed. Il n'a pas changé. He has not changed. Il n'a pas changé. He has not changed. Venez rapidement. Come speedily. Ne t'assois pas, tu vas danser un peu avant de rentrer. A-t-il songé? Il n'a pas songé. A-t-il songé? Il n'a pas changé. A-t-il songé? Il n'a pas changé. Il est le même éternellement. A-t-il songé? Il n'a pas changé. A-t-il songé? Jésus n'a pas changé. A-t-il songé? Il n'a pas changé. Il est le même éternellement. À la puissance de Jésus, nous renversons toutes les principautés. Au nom de Jésus, qui brise les liens malsains, par sa grâce, nous sommes délivrés. Au nom de Jésus, qui nous donne la victoire sur tous les deux de l'ennemi. Au nom de Jésus, oh, a-t-il songé? Il n'a pas changé. Jésus a-t-il songé? Jésus n'a pas changé. Oh, a-t-il songé? Il n'a pas changé. Il est le même. Si tu étais enchaîné par les principautés, tu seras délié. Au nom de Jésus. Si on t'avait enterré dans les cimetières, tu seras déterré. Au nom de Jésus. Oh, a-t-il songé? Il n'a pas changé. Jésus a-t-il songé? Jésus n'a pas changé. Oh, a-t-il songé? Il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Tu vas pousser des cris de joie. Viens la maison, sors de la basse. Viens avec nous, nous allons louer le Seigneur. Sors, viens aimer, viens. Jésus. Viens, viens. Par la puissance de Jésus, nous renversons toutes les principautés. Au nom de Jésus. Si on t'avait enterré dans les tombeaux, tu seras déterré. Au nom de Jésus. Si on t'avait caché dans le séjour des morts, nous trouvons la bonne. Au nom de Jésus. Oh, a-t-il changé? Il n'a pas changé. Jésus a-t-il changé? Il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Si tu y avais le sida, au nom de Jésus, tu seras guéri. Au nom de Jésus. Si tu y avais le cancer, aujourd'hui, tu seras guéri. Au nom de Jésus. Si tes parents sont incrédules, ils seront sauvés. Au nom de Jésus. Oh, a-t-il changé? Il n'a pas changé. Jésus a-t-il changé? Il n'a pas changé. Oh, a-t-il changé? Il n'a pas changé.
Seigneur. Jésus. Qui est Seigneur. Jésus. Qui est Seigneur. Jésus. Qui est Seigneur. Jésus. Qui est vivant. Jésus. Qui est vivant. Jésus. Qui est vivant. Jésus. Qui est roi des rois. Jésus. Acclame, 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 plus haut, plus haut. Rendez-vous demain. Rendez-vous tomorrow.